Et bonjour, bonsoir les matinaux, bienvenue à tous, prenez place, venez contempler Stasinen avec moi. Comment allez-vous ce matin? Alors attendez, parce que là, j'ai demandé une autorisation, mais j'ai pas reçu la réponse. Je pense que je pourrais pas le faire. Alors, on arrive. Oula, oula, doucement! Bien le bonjour les matinaux. Alors, tac tac, Major Gaming. Alors, attends, on va recommencer depuis le début. Alors, Monsieur Mef, bonjour à toi. Monsieur Seb Fox, bonjour à toi. Ah, dis donc, attendez, j'ai pas le temps de dire bonjour. Monsieur Kimi, bonjour à toi. Elvi, bonjour à toi. Clem, bonjour à toi. Merci pour ton abonnement. Ton troisième mois, un grand merci à toi. Playmo, bonjour à toi. Star Explorer, bonjour à toi. Monsieur Bourrin, bonjour à toi. Et merci pour ton 9e mois, non, ton 16e mois, excuse-moi. Merci à toi, monsieur Bourrin. Monsieur Major, bonjour à toi. Et merci aussi pour ton 17e mois. Captain Begins, bonjour à toi. Lady Grigny, bonjour à toi. Divin, bonjour à toi. Qu'est-ce qui me manque encore? Morio, bonjour à toi. Ikumi, bonjour à toi. Wolfianis, bonjour à toi. Beliavor, bonjour à toi. Qui c'est que j'ai encore oublié? Castagne, bonjour à toi. Coleman, bonjour à toi. Et puis, je pense qu'on doit être bon là. Hein. Voilà. Et bonjour, viewer de l'ombre. Bah, j'espère que vous allez bien. On va partir sur le petit actualité. Alors attendez, que comme je vérifie mon. Si j'ai eu un message. Non, j'ai toujours pas eu de message. Parce que j'aurais voulu faire quelque chose, mais j'ai pas l'autorisation. Donc, bah, tant pis. Tant pis, tant pis, je vous le mettrai après. Allez, hop, on est parti. Alors. Monsieur Marcus, bonjour à toi. Monsieur Nichols, bonjour à toi. Heureux, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de beau sur cette petite CitizenCon, puisque ce week-end, on a la petite CitizenCon qui est arrivée. On a eu des petits vaisseaux et véhicules qui ont été mis en vente. On va commencer par ça, hein. De toute façon, il faut bien commencer par un début, hein. Voilà, donc là, vous voyez le petit argot. Le petit argot CSV. Voilà. Hop, hop, hop. On peut lui mettre des petites boîtes 4SCU. Apparemment, c'est les petites boîtes d'un DCU. Dedans. Ok. Bon, petit héros des chantiers. Voilà. Tac, tac, tac. On peut lui mettre 4 boîtes. On voit bien hein, que 1, 2, 3, 4, 4 boîtes. Rangement à plat. On va pouvoir rentrer un véhicule directement dedans, ça serait pas mal ça. Il y a des deux là ici. Alors là, il y en a des Max, il y en a partout, hein. Le jour où on verra une piste comme ça, là, où il y a plein de gens comme ça qui circulent et tout ça, ce sera beau à voir, hein. Alors. Le petit vaisseau, le petit véhicule. Waouh, qu'est-ce qu'il est beau le petit véhicule. À combien qu'il est au fait? Bon, après, je vous laisserai voir après, hein, vous inquiétez pas. Il est à 44 euros pour les concierges. Vous l'avez en avec les deux argots en même temps. Ou autrement, il est à ouais, 44 et 55 en store crédit. Bon, voilà. Le pack expédition, vous l'avez. Et les petites peintures pour ceux qui veulent, hein, voilà, et même dans la neige, hein, tout partout, hein, partout temps. Hein. Les petites questions-réponses pour ceux qui veulent, qui est la capacité, voilà, d'un point ou un point B pour cette livraison. Il va dans la taille jusqu'à Voilà, le la coco. Q-Class, ça part au-dessus, bien sûr. Hein. Donc, voilà, mais on n'avait pas un mule. Ok. Parce que le mule, on s'en sert toujours pas là. Comme c'est des boîtes de 1CU. Par contre, devant, on peut mettre quelque chose devant ou pas? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que devant, on peut mettre quelque chose. Si? Ouais, bon. Alors, ouais. Ensuite, on a une petite surprise. Le Star Lancer qui est arrivé aussi. Donc, Star Lancer. Alors, il y a trois modèles.
Il y a le TAC, le MAX et le DBL, mais qui n'est pas encore là. Alors, DBL, c'est pour les futures constructions. Voilà. Donc, la housing, si vous voulez. Donc là, il est conçu pour les combats, le TAC, hein, cette tactique. Waouh, il est beau. Hein. Et ensuite, on aura le max après. On va encore parler après du max. Hein. Donc voilà, extérieur avec des tourelles. Des tourelles 4 de taille 4. Voilà. Hop. Ensuite, des tourelles de taille double manuelle en taille 5, voilà, taille 4, des missiles S3 et tourelles de missiles télécommandées. Voilà. Intérieur, voilà. Avec une salle d'ingénierie, une salle pour un snub, une autre salle médicale de lit niveau 3. 8 pantins, donc pour mettre du monde dedans, une petite salle commune, la salle d'habitation à bord et le petit cockpit. Aurelius, bonjour. Il n'y a pas version, elle est bientôt pour le housing moyen. Il y aura une version. Oui, c'est ça, ce que j'ai dit, le BDL, je crois que le BDL. Voilà, on voit aller à l'intérieur. Merci tonnerre des brés 20. Les transporteurs qui disent voilà, ça c'est les sièges pour mettre les différentes personnes à l'intérieur. Les lits médicales. Bon. Pour la petite somme, ben voilà, 7 équipage 7. Hein. Merci pour le follow. Tonnerre de Brest. Ah oui, tonnerre de Brest, bonjour. Je parlais de la mule. Ok, rôti de porc, bonjour à toi. Ah ouais, de chaque côté, de là, oula, il va être bon, hein. Offre spéciale peinture silicone, voilà, tac, 10 ans, machin, ok, donc ça c'est pour les trucs. Il est quand même pas donné, hein. Ça c'est le pack des deux, c'est ça? Talent pack, machin, gars, plus peinture, ok, d'accord. Bon, les petites peintures. Alors, 329 euros. Ok. Et, ou autrement, en store crédit, il est à 268 euros. 10 ans d'assurance, ouais. Lui aussi, là, non, lui, c'est LTI, du coup. Lui, c'est LTI. Encore que LTI, vous avez vu que ça va changer aussi. Ça, on en parlera peut-être plus tard. Le max. Bah, ça, c'est le max. Voilà. Il est arrivé la même chose, polyvalent. Permet de ah, ils sont beaux quand même, hein. Les misques, ils sont beaux, hein. Voilà, ça refait, hein. On va voir la petite vidéo peut-être, je sais pas si une... hop, couper la musique au fait. Tombola ! Point d'exclamation joint dans le chat pour gagner 100 points. 1 million de sabords, hein, parce que t'as vu le dernier de Brest. Ah, ça jette, hein. Point d'exclamation joint dans le chat. Alors, ça m'a, bah, j'ai à dire que ça m'a un peu à l'Odyssée, mais bon, ça passe à l'hémisque, hein. Merci pour le soutien de la chaîne avec vos follows, Prem, Sub, Chir, Tipeee. Ah, j'aime bien la passerelle au milieu comme ça. Oh, c'est joli. Ah, j'avais pas vu la vidéo. Thank you.
built for life. Ah ouais, je regarderai pour les... Ouais, mais après, t'inquiète, je sais pas si j'en parlais. Après, y a tellement de choses encore, ils ont dit qu'ils allaient en parler et tout ça, donc je peux pas pouvoir aborder tout non plus. Alors, ça, voilà, petit Max, hein, conçu pour l'espace lointain. Ouais, c'est beau. C'est bien, chargement sur le côté en même temps. Derrière, sur le côté, ah, et franchement, et pas vilain. Il est vraiment pas vilain, franchement. Ça, c'est super bien qu'on peut charger sur le côté comme ça. Trop beau, trop beau, trop beau. Oh bon, ça c'est les trucs d'usine. Après, bon, on peut voir avec les différentes peintures. Voilà. Tac, tac, tac. Et tac. Bon. Après, celle d'usine, elle me plaît bien. Celle-là, moyennement. Moyennement. Pas du tout. Et moyennement. Ok. Édition limitée. Oh là 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 là. Il y a les peintures spéciales ou pas? Non, pas du tout, si. Peinture Citizen Con. Ok, d'accord. Ok. 251 euros. Ok, 279 euros en store crédit. Ça fait mal au cœur. Ça fait cher, hein, quand même. Toujours concept, hein, attention. Hein. Et théoriquement... Alors, il sera disponible que le contenu jouable au lancement de l'IAE le 22 novembre. Ah, 22 novembre, il sera disponible. Cool ça, ça c'est bon ça. Monsieur Pro, bonjour à toi. Des années 80, ouais, c'est quand même pas mal. Voilà, le petit, bah pareil, hein, vous avez le petit question-réponse sur les max et tout ça. Voilà, là, donc n'hésitez pas à aller voir. Hein. Le max aura une capacité de 224 SCU, 96 à l'arrière, 128 dans la soute spécifique au max. 224, c'est quand même pas mal. Hein. Deux tourelles en rotation 180 degrés et un port maximum de 80 tout autour. Ouais, c'est quand même pas mal. Il y a des bons trucs quand même. 4 canons double de S4, 2 tourelles double télécommandée S4, 16 missiles S3, un générateur bouclier S3. Hop. Pas encore équipé d'intéressés, les créations de l'atterrissage, ouais. Bon, de toute façon, hein, ça, vous pouvez les avoir. Il y a un VTOL, bien sûr. Pourquoi il n'y aurait pas de VTOL? Non, mais franchement. Pourquoi il n'y aura pas de VTOL? Ok. Qu'est-ce qui a été aussi. Alors, attends, que je vais vérifier quand même si on m'a répondu sur le Discord ou pas. Non, j'ai pas eu de réponse, malheureusement. Ben, donc, je pourrais pas vous faire voir. Alors, après, il y aura plein de gens qui vont vous le donner. Hein. Alors, moi, je connais Monsieur McFly Gaming. CTRL-C. Je vous le mets dans le chat. Hop. 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 Celui-ci, le build qui m'intéresse, ouais. Contrôle V, je vous mets celui-là. Si vous allez voir sur son YouTube, vous aurez le résumé. Donc 19 minutes, 20 minutes pour la première journée et 30 minutes pour la deuxième journée. Donc voilà, vous pouvez aller regarder. J'ai demandé l'autorisation, mais comme à mon avis, bon, il n'a pas vu le message, et puis c'est ce matin que j'ai vu, il n'est pas là, mais donc je peux pas vous faire voir. Autrement, je vous aurais fait voir ça pendant le machin. C'était un peu plus simple d'avoir la résumé globale. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder, par contre, ça c'est autorisé, on peut regarder là, si vous voulez, 1 minute, 1h16 de. Squadron 42 qui sort en 2026. Ça dépend si vous voulez ou pas. Si ça vous intéresse.
Écumé, c'est public, c'est YouTube, tu as le droit de diffuser si tu cites la source, c'est illégal? C'est sûr? Ah bah alors, si tu me dis, tu me dis. C'est vrai, Kimi? Tu me dis? C'est public, c'est YouTube, tu as le droit? Sûr, c'est mon métier. Ah bah alors, bah du coup, on va regarder ça. Ça sera peut-être plus simple de regarder le petit résumé, machin. De toute façon, je vous remettrai dans le truc. Tu dois citer la source. Et ben voilà, McFly's Gaming. Ça, c'était la première journée. Alors, attends, enfin, il y a des pubs, hein, bien Vous avez plus sûr. de 5 000 euros à la banque. Écoutez bien ce On qui va peut-être suit. plus simple. La situation économique en France se Toute dégrade façon, je vous à mettrai toute je vous vitesse. remettrai le lien Une juste vidéo où bientôt vous vous après. trouvez Je dans une viens de le mettre situation avant. Je comparable vous à le celle remets du juste 23 après. 2010, avec une Ignorez. musique. Actualité des jeux de science-fiction, et cette fois-ci, je voulais revenir sur la première journée de la Citizen Code, Est-ce que c'est qui a assez quand même été fort ou pas riche en pour vous? informations. Je vais essayer de vous passer un petit peu en Ah bah revue les regardez, c'est différents marqué dessus de toute panels, façon, un petit peu non? vous donner mon avis, et vous essayer de vous résumer. Grosso merdo, ce qui a été dit. Alors, l'objectif du premier panel était plus orienté autour de Genesis, qui est un peu la nouvelle technologie planétarie, en fait, qui va permettre d'essayer de donner des mondes un peu plus consistants et un peu plus logiques. On a eu une présentation un peu rapide sur ce qu'est la technologie en elle-même. Donc, on a besoin de vos séjours qui nous a un peu expliqué, en fait, tout ce qu'il y a à voir au niveau de la techno. Vous Je me voyez sens un que peu faible. celle-ci, Genesis, sera basée sur différents patterns avec la géologie, l'humidité, le type, justement, de sol que vous allez avoir. Et tout ça va avoir une incidence en fait tout simplement sur la végétation aux alentours. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'occasion d'avoir un peu des présentations, vous voyez, des différents types de végétation qu'il y aura directement dans le jeu. Donc tout ça évidemment, je vous le répète, hein, ce sont que les notes d'intention, c'est ce qui est prévu par la suite au fur et à mesure du temps. L'objectif là, c'est pas d'avoir des Une dates base pâle. concrètes, hein, et vraiment de dire ça va sortir à telle release, à tel machin. Par exemple, quand vous le voyez ici, on a eu vraiment une présentation plutôt de la jungle. Alors ça personnellement, je m'y attendais pas du tout sur cette partie-là, parce qu'ils avaient déjà évoqué ça il y a déjà un bon moment, comme quoi ils travaillaient sur la jungle, mais qu'ils n'avaient pas nécessairement les technos pour. Donc ils ont l'air, avec cette version de Genesis et justement ces nouvelles technos, de faire en sorte qu'ils puissent générer C'est vrai que vraiment c'est des très très biomes joli, jungle et des hein. biomes C'est denses. dommage qu'il y ait une Je perte répète, de hein, pour qualité. l'instant, ça c'est pas un truc que vous allez avoir demain in-game, mais au moins ça permet de montrer un petit peu tout ce qu'ils pourraient être capables de faire dans le jeu en termes de variété de Ouais, biomes. comment Et ça je se fait sais pas vous, que ça c'est comme ça franchement, je me plongerais bien là-dedans pour aller me balader là-dessus, peut-être me faire attaquer par 2-3 bestioles, voir un peu un point d'intérêt à droite à gauche pour essayer comment dire, de me cacher dans la jungle, de finir un peu à pied. On a eu aussi des présentations de 30 biomes de minutes et type une marais. non, une Donc journée ça faisait là. partie aussi de d'autres types d'assets sur lesquels ils travaillent. Regardez, on voit vraiment les marais, tout ça, etc. Donc ça, c'est vraiment les images qui nous ont marqué par rapport à ce qu'ils voulaient présenter comme type de techno là-dessus. On a eu d'ailleurs quasiment aussi la même présentation avec des biomes de type forêt extrêmement dense, où ils ont Ça, c'est le expliqué premier jour qu'ils avaient seulement. essayé de bosser sur différents types d'arbres de différentes tailles, avec limite des séquoias qui étaient la hauteur d'un carac. Donc franchement, honnêtement, on a vraiment pris plein les mirettes, et ça prévient vraiment de se dire, bah tiens, un jour dans Star Citizen, on pourra vraiment évoluer et découvrir des biomes complètement, complètement fous. Pour entrer un peu plus dans le détail aussi sur ce panel-là, ce qui était super intéressant, c'est un peu ce qu'ils appellent la cohérence au niveau du monde et au niveau de l'univers. Par exemple, ici, vous voyez des exemples de vaisseaux qui sont crashés. Ces vaisseaux, en fait, vont se crasher peut-être pas très loin de batteries aériennes. Donc forcément, derrière, s'il y a un POI, un point d'intérêt avec des batteries aériennes, de la défense et tout, vous allez trouver plus facilement des épaves à l'outil à droite à gauche pour pouvoir essayer de trouver un peu plus de contenu intéressant. Après, ils ont expliqué aussi toute la gestion au niveau du cycle jour-nuit. Alors, ils ont essayé de travailler aussi sur la partie au niveau d'illumination Ça, c'est fou globale, de quand faire même, en hein. sorte que les nuages passent. Vous voyez, ça fait un peu de l'ombre et tout. Et en fait, suivant que vous allez être 2 jours ou 2 nuits, les PNJ vont pas réagir de la même manière, ils vont pas avoir la même perception de leur Perception de la environnement, nuit, ouais. et ils nous ont montré un exemple à un moment où vous aviez limite en fait un PNJ qui s'aidait d'un copion qu'il avait domestiqué, donc espèce de petit loup panthère un peu chelou. Une espèce de gros chat qui vous attaque sur les grottes de Stanton. En fait, il s'aidait un peu de cet animal-là parce que cet animal a une meilleure perception la nuit alors que le PNJ n'en avait pas. Du coup, ça peut un peu vous donner, en gros, si vous voulez, tout le côté systémique et le côté super intéressant qu'on pourra avoir d'ailleurs plus tard dans Star Citizen. Et ils nous ont montré aussi l'intégration de Maelstrom par rapport au système des zones de couverture. Vous voyez par exemple ici, le joueur se met à détruire pas mal de zones. Il y a des endroits où les PNJ vont pouvoir se couvrir, d'autres ils ne pourront plus se couvrir. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut faire en sorte que les PNJ, les IA qui sont autour, puissent évoluer
en fonction en fait de l'environnement qui est également modifié par le joueur. Alors, il y a toute une partie aussi au niveau du son. En fait, si vous allez par exemple utiliser, enfin ils vont utiliser des nouveaux assets et des nouveaux systèmes de son et des nouveaux outils. Ou par exemple là on l'a vu, du coup vous allez avoir en fait avec tout simplement spéciale, un son qui va être, alors je sais pas si on peut le revoir. Vous voyez par exemple ici, vous voyez le son est pas la même et ça n'a pas la même perspective en fait au niveau du son que vous soyez du côté du picot ou du côté de la personne qui tire quoi. Il y a vraiment une différence en fait entre les deux. Et évidemment, le clou du spectacle, c'était vraiment cette petite démonstration à la fin. Vous voyez du coup directement les nouveaux nuages qui sont implémentés, le fait que ça produit de l'ombre directement du dessus. Tu veux pas regarder et 30 après, minutes vous allez le voir directement si jamais ça vous plaît pas de regarder sur la suite. Ils nous ont montré carrément une séquence de gameplay ah, en vue à la première pas, personne qui hein. était vraiment, réellement, gênant, hein. extrêmement impressionnante. Hein, où vous aviez un, quelqu'un qui après, avançait si dans pas, une situation machin, où il y avait un petit peu, en fait, pas, comment hein. dire, de la tempête. Il essayait, par exemple, de faire décoller du coup son vaisseau. Vous allez voir, il y a, une espèce d'aurora et tout. Donc là, il va monter dans le, Zeus. Et une fois qu'il est monté dans le Zeus et qu'il décolle, vous allez voir que du coup il va y avoir des tempêtes et tout, et à un moment regardez, vous avez en fait littéralement se fait vraiment en fait foudroyer en fait du coup par les éclairs. À ce moment-là, il perd complètement en fait de la de l'altitude. Vous voyez directement ici. Donc ça, c'est vraiment été un petit peu ce qu'ils veulent essayer de nous expliquer avec Genesis, c'est que Genesis va agir en fait sur la totalité des environnements et des biomes et vous rendre un monde beaucoup plus réaliste. Là, et beaucoup le plus jeu immersif. Est cassé donc, en lui-même. Franchement, hein. c'était plutôt je une grosse surprise hein. par rapport à ça. Je m'attendais plutôt à un gameplay sur la partie au niveau de l'économie, plus sur cette partie-là, mais non, on a plus eu en fait l'évolution du système de Planetary Tech avec tout ce qui est intégré au niveau des très, biomes très joli, hein. et au niveau de la météo dynamique. Donc honnêtement, franchement, ton serveur marche. Ça okay. va être un gros step-up en fait pour le jeu pour l'avenir et ça va permettre vraiment d'avoir quelque chose de beaucoup plus polish et beaucoup plus intéressant à explorer. Alors après, sur toute la partie au niveau du panel social, là, pour rentrer vraiment dans le détail, ils nous ont présenté en fait pas mal de nouvelles apps qui vont être dédiées sur la mobile glace. Et tout ce panel-là est essentiellement dédié sur comment vous donner des outils pour pouvoir communiquer entre joueurs. Donc non seulement vous allez avoir un nouveau système social qui va vous permettre en fait de rajouter des joueurs, voire de faire une whitelist ou une blacklist comme vous le voyez directement ici. Vous allez pouvoir savoir exactement aussi ce que font les joueurs, où ils se trouvent, ce qu'ils sont ça, en train de faire mal quand de même. Gameplay et tout. Donc il y a vraiment en fait dans la partie, dans les amis que vous avez, vous allez vraiment pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus comment dire pratique à utiliser. Et ils ont également montré aussi toute la partie au niveau de ce qu'ils appellent le Party Finder, c'est-à-dire la possibilité de créer une espèce de groupe autour d'une thématique. Alors c'est pas vraiment une orga, on est vraiment genre par exemple vous avez envie de, je sais pas moi, d'attaquer, de faire un petit event, et ben vous allez créer un petit groupe genre Event Xenotreff comme vous le voyez ici, et vous allez être amené à chercher des joueurs, et donc les joueurs du coup vont pouvoir aller sur la mobiglace, regarder ce qu'il y a comme groupe créé par les joueurs, et éventuellement bah, si comment dire si adjoindre, c'est-à-dire s'y rajouter, et venir vous retrouver in-game. Donc je trouve que c'est des outils sociaux qui sont extrêmement intéressants ouais. et qui sont très pratiques, et bon du coup dans tous les cas ça répond un peu à toutes les à tout ce qu'il y a sur les MMO actuels, mais vraiment en fait Star Citizen se met à niveau en fait par rapport à ça. Alors vous avez la possibilité également de personnaliser le chat, vous pouvez utiliser également des commandes comme un slash DM, tout ça, etc. Il y a un truc que j'ai trouvé relativement cool, vous voyez ici par exemple, c'est que vous avez la possibilité en fait tout simplement de mettre des liens. Vous voyez, par exemple, si vous mettez Cheesecake, ça va vous envoyer sur un lien comment trouver tel truc. Xenotreff, ça va vous dire voilà comment trouver l'event. Si, par exemple, vous mettez Céline, un lien vers Céline, ça va vous ouvrir directement la mobile, ça va vous tracer la route direction Céline. J'ai trouvé que c'était super intelligent. Vous voyez, par exemple, il le fait avec Michelin. Vous allez cliquer, en fait, sur le lien Michelin dans votre chat, et ça va vous ouvrir votre star map, et ça va vous tracer directement la route du côté de Michelin. Donc, c'est super cool, parce que plus vous allez avoir Star Citizen qui va être très grand, plus vous avez du mal à vous retrouver, vous n'avez pas nécessairement connaître tous les POI. Même voilà, vous avez aussi des trucs pour les armes, pour peut-être arriver à trouver des armes et ainsi de suite si vous avez besoin d'armes particulières. Je trouve que cette feature était vraiment super intéressante. Le Hornet, il est pas mal. Au niveau de l'amélioration du VOIP, FSO IP, alors c'est pas non plus le truc que j'attends le plus. Mais surtout le faisceau IP, c'est vrai qu'effectivement, il était un peu old school par rapport à la techno qu'il y avait aujourd'hui. Et comme ils ont pas mal trouvé ce travail sur Squadron 42, sur tout ce qui est le motion capture, ils ne devaient que update en fait cette feature-là. Donc là, vous point le voyez un peu la démonstration. C'est beaucoup plus précis au niveau pour bouger après, les visages. Faut attendre l'IAE, ça, c'est pour plutôt cool pour vaisseaux. Ceux qui veulent faire, par exemple, du RP. Ils vont mettre en place aussi une nouvelle app Beacon qui va permettre, du coup, en fait, simplement de créer des beacons. Alors, les beacons, ça peut être, par exemple, genre, vous avez besoin d'un coup de main sur une partie au niveau trading, tout y ça, y etc. Vous avez besoin, par exemple, ça, d'être... Le temps que ça arrive, quand même, pour une c'est mission, pas tout de suite. Parce que hein. vous savez pas trop où aller. Et donc ça, du coup, ils vont essayer de mettre ça en place. Vous allez avoir un système, en fait, comment dire, de, un peu comme ce qu'il faut aujourd'hui, vous avez un one thing, ouais. vous allez pouvoir monter tout pour les étoiles. Ouais, et surtout, vous allez avoir tout un système de réputation. Vous voyez un petit peu comme là, vous êtes dans le rouge, dans le jaune ou dans le vert.
Du coup, ça va être beaucoup plus simple pour suivre 21 exactement, 22 en novembre, je fait, crois. où est-ce que vous en êtes par rapport à votre statut sur ces beacons, en fait. Alors, l'autre application qu'ils nous ont montré, ce qui est quand même relativement cool, c'est qu'ils vont intégrer toute la partie au niveau des organisations, donc D'organisation on en parle même vraiment temps, des ouais. guildes qui sont créées par le joueur directement, en fait, sur la Mobiglas. Ça va être la possibilité de rechercher des guildes et tout. Aussi l'intégration d'un calendrier au niveau des événements. Alors, il y aura à la fois les événements qui sont in-game, genre par exemple le prochain Jumpton et ainsi de suite. Mais il y aura aussi la possibilité d'intégrer vos propres événements en tant que guild orga. Et je trouve que c'est vraiment cool. Parce que souvent, moi, j'ai une petite orga d'ailleurs. Vous n'hésitez pas à aller la voir. Hein, je vous mettrai le lien directement en description. Ouais, Et c'est c'est vrai pas que c'est vraiment plutôt maintenant, galère ouais. parfois d'arriver à organiser des trucs et des événements. Vous êtes obligé de passer par un Discord, machin, etc. Alors que si vous aviez tout in-game, ça serait beaucoup plus simple. Vous ouvrez la Mobiglas. Tiens, Ça peut être jeudi pas mal hein, prochain, pour on les fait une gros orgas et sortie tout ça, avec l'orga effectivement. sur du Après, minage. Est-ce que tu on veux se donne venir un ou pas? rendez-vous. Voilà la description, machin, etc. J'ai la petite notif in-game. Et je suis pas obligé d'aller voir dans un autre outil comme Discord et ainsi de suite, monter des trucs un peu compliqués. Là, vous avez vraiment tout qui est intégré. Alors, autre feature que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que non seulement vous allez pouvoir mettre en fait à quelle guilde vous appartenez, vous voyez un petit peu entre crochets, mais vous voyez, Crochet vous avez par la différentes guilde. couleurs qui vont permettre en fait tout simplement de savoir si vous êtes ami ou Ou ennemi avec ennemi une guilde. avec. Donc, Ça, si c'est c'est pas... rouge, ça, c'est c'est-à-dire que bien. par Au exemple, moins, la tu le guilde que sauras vous tout de avez en suite. face, le joueur, c'est qu'il est dans une guilde ami, je crois que orange, c'est à peu près neutre, faut pas tirer dessus, et vert, c'est que vous êtes plutôt ami. Donc, c'est Ami. plutôt cool parce que ça veut Ouais, dire que du coup, ça, dans le c'est pas jeu, mal, ça. en un claquement de doigts, vous allez savoir si en fait le mec que vous rencontrez, le joueur en face, il est dans une guilde qui est plutôt de votre côté ou qui est plutôt tendance à vous tirer dessus. Alors maintenant, le troisième panel qu'ils ont monté, c'était l'Ouest to Kill. C'était là toute la partie au niveau des armures et des vêtements. Et comme vous le voyez ici, ils vont enfin vous permettre de mixer en fait armure et vêtements pour vraiment vous donner un style un petit peu particulier et sortir un petit peu du lot et un peu mixer en fait toutes les fonctionnalités que vous avez en fait au niveau des armures. Et ça va permettre aussi de peut-être de looter des armures un peu spéciales et ainsi de suite. Je trouve que c'est relativement cool et ça donne des mix assez sympas. Alors ce qu'ils veulent faire en sorte aussi, c'est que vous puissiez vous spécialiser en fait tout simplement dans les armures. Donc selon ce que vous allez mettre, vous allez par exemple avoir, vous voyez ici un peu le leader, vous allez avoir d'autres PNJ. Et là par exemple, vous voyez ici par exemple des stats sur une armure qui est de type tracker. Ça, Alors ça serait j'espère bien que qu'en fait ces les systèmes stats, qui vont on les les mettre, vous voyez, aura protection, in-game. mobilité et tout. Vous n'allez pas vraiment en fait avoir des armures qui vont être complètement overkill. Vous allez vraiment avoir des armures. Il va vraiment falloir choisir comment vous équiper. Donc par exemple, vous allez avoir certaines armures qui vont plutôt veiller comme celle-ci par exemple au sniper. Il faut savoir que le sniper, lui, va avoir une mobilité qui est pas mal. Par contre, il va être complètement nul du coup en EVA. Donc en fait, vous n'allez pas avoir en fait, si vous voulez, un peu une espèce d'armure overkill. Vous allez pouvoir faire n'importe quoi et vous allez pouvoir en fait tout simplement décider de pouvoir être ultra mobile, super bon en EVA, tanké à mort et ainsi de suite. On le voit par exemple ici sur la partie au niveau du sniper, vous voyez qu'il a pas, il a une protection qui n'est pas très forte, sa D'accord. mobilité est quand même assez grande, il est stiff, c'est-à-dire qu'on ne peut pas très bien le détecter si vous faites des ping scans. Au niveau de l'EVA mobility, c'est pas terrible également. Alors je trouvais que ça c'était relativement cool en fait de mixer tous ces systèmes d'armure et tout, pour avoir aussi des trucs plutôt veillés par exemple dédiés à un pilote et tout. Par contre c'est vrai que ça va permettre vraiment de spécialiser, alors ça évite d'avoir un espèce de RPG-like où vous mettez des points de compétences, c'est plutôt votre combinaison qui va faire en sorte de vous donner des compétences. Par contre, c'est vrai que ça pose un petit peu un problème, c'est que si vous êtes un peu un joueur solo pour essayer d'être à peu près polyvalent, ça va être un petit peu galère. Et là, du coup, pour nous montrer un petit peu tout ça, ils nous ont teasé évidemment un truc que je vous avais parlé, qui était, on va dire, je vais essayer de vous remettre un peu le son aussi, Le qui ver était de un peu, sable. on va dire, le gros teasing et tout là-dessus, sur, comment dire, sur Squadron, enfin pas sur Star Citizen, c'est le Ouais, je retour vois de la quelque chose tournée, qu'on avait ouais. déjà vu en 2016 et qui évidemment forcément a fait priper pas mal de monde pendant la présentation, c'est le retour du Ver des Sables, le fameux Valakar. Et en fait, vous allez avoir, par exemple, là, on est vraiment clairement sur une mission de type boss, donc qui serait disponible dans le PU. Ils n'ont pas dit exactement quand, hein, parce que pour l'instant, ils l'ont testé. Hein. Les images que vous voyez, c'est Ouais, vraiment pas les tout de devs qui ont suite, hein, je testé ça pense, hein. in-game et qui ont pu jouer et s'amuser avec. En fait, l'objectif, ça va être tout simplement en fait, de tuer le Ver des Sables, Ah, de qui perd vous y les mettre à ressources. plusieurs. Donc là, ça a permis de montrer en fait toutes les compétences qu'il y avait au niveau des différentes armures, au niveau des différentes capacités. L'armure, par exemple, d'un sniper, celui qui a par exemple des pilotes, le mec qui va tanker comme lui, celui qui va plutôt être en véhicule, et ainsi de suite. Et là, vous allez devoir un petit peu vous coordonner pour essayer de fight le Ver des Sables. Et évidemment, une fois que vous l'avez fight, vous savez qu'il est mort, vous allez pouvoir récupérer pas mal de choses dessus, comme des 10 ans, perles, ouais, comme c'est des ça. dents, tout ça, etc. Et ça, forcément, du coup, ça va vous servir sur la partie au niveau du crafting et du base building. Donc ça c'était quand même assez cool, j'ai bien aimé cette présentation-là, c'était assez fun. Et on voit que c'est fonctionnel, on voit que ça pourrait être Après, quand même intégré la valeur de relativement ça, hein. facilement in-game. Bon, Est-ce que évidemment, comme ça vaut d'habitude, ils n'ont vraiment le pas coup ou donné de pas? date précise par rapport à ça, mais en tout cas, ça peut amener un peu plus de cohésion, faire en sorte que les joueurs puissent un peu plus kiffer par rapport à ça, qu'ils aient vraiment en fait
des gameplays multijoueurs et trouver une vraie utilité en fait à ces différents types d'armures. Et évidemment, le dernier parallèle, c'était le palanque Pyro, donc c'est qu'est-ce qu'il y a au-delà des de Pyro. Et là, du coup, bah, ça a été simple, ils nous ont déjà dans un premier temps teasé, évidemment, ça on se l'attendait tous, le fameux système Nyx, et Nix. avec également l'arrivée aussi de Delamar, qui est un petit peu l'espèce de base qui se trouve en fait dans un espèce de planétoïde Ah, ils ont d'astéroïdes. bien, mais Alors ça a beaucoup changé voilà, hein, ça a par beaucoup rapport à ce que c'était changé, avant sur Star Citizen, parce que pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'ai pas réussi à retrouver à quel patch Delamar est parti, mais en fait pendant un moment dans l'univers de Stanton, vous aviez en fait un espèce de planétoïde qui était disponible sur la Star Map dans Stanton, qui n'avait rien à faire là parce que c'était un planétoïde du système Nyx, mais qui avait juste été mis sur Stanton pour tester un peu la gestion au niveau des astéroïdes. Et un jour, ils l'ont enlevé et ils nous ont dit, vous retrouverez ça du coup directement sur le système Nyx. Et évidemment, à l'intérieur, il y a toute l'espèce de ville et tout qui 10 ans de s'appelle plus, Levski. ouais, Alors franchement, les images sont oui, vraiment 10 ans de sublimes. Ils nous ont plus. montré des trucs quand même assez ouf et assez dingos là-dessus. Par contre, je vous avoue que moi, ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est que du coup, ils nous ont vraiment montré que ça en fait. Il n'y a que cette présentation de légèrement de Nyx avec Levski et rien d'autre. Il me semblait pourtant que le système était quand même relativement bien avancé, qu'il y avait d'autres Normalement, astres et ouais, tout, il parce devrait qu'il n'y être a pas que avancé, Yannick, ça, ces deux normalement. astres-là, mais non, ils nous ont vraiment montré que ça. Travailler On a déjà vraiment eu que d'avant, ça à ouais. se mettre sous la dent pour la partie au niveau de Nyx. Alors, voyez un petit peu ici où les intérieurs, je vous montre un peu l'extérieur. Franchement, c'est vraiment très très beau, Nyx. Ils ont vraiment fait un super beau boulot. Et là, on le voit, la Je fameuse remettrai les deux Levski, qui est un vidéos peu complètes la de. Bah, de toute capitale façon, sur vous les retrouvez hein, sur Star sur Citizen. cette Vous les planète avez de le Delamar, sur cette full. espèce de planétoïde. Et là, voyez, on revoit un petit peu et Full tout sur ça. l'intérieur de la partie au niveau de Levski, qui a vraiment changé par rapport à ce que c'était avant. On est un petit peu déçu qu'on n'ait pas revu le fameux grand bazar qu'il y avait du coup du côté de Levski, parce que je me rappelle à l'époque, Ouais. ça teasait un petit peu en fait au niveau des assets, ça ressemble un peu à ce qu'il y avait sur du Pyro. Hein. Après, bizarrement, ils sont revenus un petit peu plus sur Stanton pour essayer de nous teaser un peu des nouvelles fonctionnalités avec ce qu'ils appellent des zones un peu instanciés. Et ces zones instanciées vont vraiment être composées de plusieurs endroits. Et ici, vous voyez, vous avez différentes zones. Et en fait, ces différentes zones, vous allez pouvoir les débloquer au fur et à mesure. Et ça va faire quand même des espèces de gros donjons. Donc en fait, ils ont utilisé la même technologie que Genre ce que sera vous avez dans retraite, les ouais. hangars. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez être plongé dans des zones sur lesquelles vous allez pouvoir faire des missions. Alors ce sera également sur Stanton, Après, d'ailleurs, c'est qui un vont gros intégrer ça. MMO, Et donc c'est évidemment, le plus certain important, c'est que là, vous qu'il voyez, ils nous ont sera montré le au système fur et à Nyx, ils ont montré mesure, le hein. système Stanton Pyro. Et évidemment, tout le monde s'est posé la question de Je savoir vois pas sortir d'un qu'est-ce seul qu'il coup, allait hein. bien avoir sur Combien le c'est prochain quoi, système et sans sur l'espèce de truc système? qui est en rédac que vous voyez juste en dessous. Et Là, en fait, ce système qui a moi. été teasé, bah, c'est tout simplement en fait le système Castra, dont j'avais Castra, ouais. absolument, absolument pas entendu parler. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais plus à un système comme Odin ou autre chose qui apparaissait un peu dans ce Renault 42. Alors, tout le monde était un peu dans l'expectative dans la salle en train Moi, de je se dire, pensais bah, c'est quoi Magnus, Castra? mais Je tu vois, connais pas, je n'en ai pas du tout Castra. entendu parler. Et c'est un système, comme il vous le montre ici, qui est un petit peu en bordure en fait de la lutte côté Vanduul. Et on a eu droit à une espèce de petite présentation de ce que pourrait être Castra. Alors là, vous voyez, c'est vraiment du work in progress pré-production. On est vraiment très très loin de ce qu'il pourrait y avoir in-game. Et comme vous voyez ici, vous voyez l'immense planète. Donc c'est Sherman, l'espèce de Sherman, c'est beau. planète qui est, enfin, Hein. une espèce de base qui est carrément encastrée dans un rocher. Donc les images sont vraiment sublimes, c'est quand même assez dingo. J'ai vraiment hâte d'avoir ça in-game. Alors vraiment avec les échelles, hein, je peux vous jurer que vous avez des vaisseaux qui passent, c'est quand même. vous voyez, vous avez un 600i, ça vous donne à peu près l'échelle par rapport au truc. Ouais, Donc ils vous mais montrer Evil, pas mal d'images de ça cette zone-là tu et tout, l'auras de ce le que jeu pourrait plus être Sherman. Ils tard. ont montré d'ailleurs que cette partie-là au niveau, en fait, on va dire, Il ça hub tournera plus tard principal sur qu'il pourrait y des avoir PC du côté de normaux, hein, Castra. Et t'inquiète. du coup, Hein. forcément, bah, ce serait un système qui serait intégré juste après Nyx. Ça s'améliore Alors au fur et à évidemment, mesure, forcément, hein. vous pourrez vous poser la question là-dessus. Aucune date évidemment de sortie. Déjà Pyro, là on sait que ça devrait arriver d'ici la fin d'année. On ne sait pas trop pour Nyx quand est-ce que ça va arriver non plus. Il n'y a pas eu de précision particulière. Ouais, Alors pareil, Castra, j'en Magnus parle même aussi, pas. moi. On ne sait pas trop exactement quand est-ce que c'est prévu. Et après évidemment, il y a aussi un panel sur la partie au niveau Squadron 42, mais ça je vais vous faire une vidéo dédiée là-dessus parce que cette vidéo sera déjà assez longue comme ça. Donc du coup, ce que je peux en dire pour cette première journée, quand même relativement intéressé, relativement hypé. J'avoue que la partie au niveau de Genesis m'a quand même relativement intéressé parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais vraiment qu'ils allaient nous parler plutôt de l'économie, tout ça, etc. Donc là, ils sont plutôt partis à essayer d'améliorer vraiment les biomes, de faire quelque chose qui est vraiment systémique, qui est vraiment intéressant à visiter. La partie au niveau social, je trouve que bah, ça se met tout simplement en fait au niveau des C'est standards du ça. marché, hein, pour essayer d'avoir vraiment des Hop. outils sociaux qui sont super intéressants. Plutôt cool pour la partie au niveau du resto kill, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des armures un peu spécialisées. Le seul petit bémol que je trouve là-dessus, c'est que j'aurais voulu qu'ils nous montrent également aussi les HUD au niveau des casques, ce qui n'a absolument pas été montré en fait sur cette première journée du coup de la CitizenCon, c'est-à-dire qu'on a juste vu les armures, on sait qu'avec les armures vous allez pouvoir les mixer et un peu vous spécialiser, sniper, tout ça, etc. Mais il n'y a pas eu l'équivalent au niveau des casques. Est-ce que quand je vais porter un casque, est-ce que je vais avoir un espèce de casque qui va me donner des capacités de vie pour viser un peu mieux? Est-ce que ça va me permettre par exemple de Dit mal à piller un peu tes mieux, yeux, tout ouais, ça? On c'est n'a vrai. rien eu de présenté sur cette partie-là, donc ça me fait dire que vraiment ça va pas être intégré in-game tout de suite.
Et après, du coup, là, ce que je vous ai montré, il y a toute la partie, en fait, au niveau de Nyx et de Castra. Alors, je trouve ça quand même un petit peu dommage, et je suis un peu inquiétant aussi que sur Nyx, ils ne nous en aient pas montré plus. Ouais, On a pareil, moi juste Nyx, on eu n'a pas vu Elefski, et grand-chose, c'est ouais. tout. Bon, Castra, ça, je m'y attendais. Parce que Nyx, Enfin, je normalement, m'attendais pas au nom il du lui, il système, mais travaille je me déjà doutais dedans, hein, qu'ils n'allaient pas dessus, nous hein. montrer grand-chose, parce que c'est quand même extrêmement lointain. Mais il me semblait que Nyx, ils avaient beaucoup plus inventé que ça, sachant qu'il n'y a pas énormément d'astres là-dessus. Donc, il y aurait beaucoup de possibilités de faire des choses, du coup, directement intéressantes. Donc, franchement, une première partie demi-journée de CitizenCon relativement intéressante, peut-être un peu en demi-teinte sur certains points, mais quand même relativement hypante. Et surtout, ça donne vraiment envie Bon, pour après, la donne ton suite. envie, Et hein, je je trouve que pense vraiment, pour que... moi, le panel qui a été phare sur cette partie-là, c'est la démonstration au niveau des biomes des jungles et tout ce que je vous ai montré, en fait, au niveau de la météo dynamique. Voilà ce qu'on pouvait dire, du coup, pour cette première journée de la CitizenCon. N'oubliez pas, évidemment, je vous affiche l'autre vidéo en face, juste là pour le résumé sur la partie au niveau du panel de Squadron 42. Et dans tous les cas, on se retrouve forcément le 20 octobre, du coup en live à partir de 10 h pour la suite de la CitizenCon. Et si évidemment vous voyez ça, tout Ouais, ça en là, replay bien ça va longtemps être... après, Ouais, hop. sachez que vous aurez également un résumé. Allez, ça c'est la première vidéo, c'était la première journée. Hop, hop, la première journée, et vous avez la deuxième journée. Alors, c'est bizarre parce que ça a des 10 minutes, la deuxième journée, elle a l'air d'être un peu plus... Ah merde. Alors, attendez, on va revenir en arrière. Alors, deuxième journée qui... Ah, De pause! science-fiction. Pause! Je remets ça. Il y avait beaucoup d'infos aussi. Ouais, il y avait beaucoup d'infos. Donc je vous remets le petit lien de notre ami McFly Gaming pour si vous voulez voir les vidéos. Après, vous sachez que vous pouvez avoir directement sur le site à Robert. Hein, si, directement sur le site à Robert. Voilà, sur. Hop, parce que je voulais faire voir ça, mais directement, normalement, vous avez déjà. Voilà. Première journée, deuxième journée, il est où? Première journée, deuxième journée. Ben, ils les ont mis où? Première journée, deuxième journée. 2153, ben, il les a mis où? Ah merde alors. Bah, pourquoi ils l'ont pas mis? Bah si, normalement, je les ai vus. Vidéo peut-être? Il y a 18 h, ouais. Bah elle est où la vidéo de... Bah merde alors. What? Bon, c'est pas grave, je peux vous les donner, les deux vidéos. Je vous les donnerai, j'ai les liens. Je vous... Bah, comment ça se fait qu'on voit pas le... Sheet commercial, 53, moi je veux 54. Hein. 1954, pourquoi il est plus dessus? Enfin bon, je vais vous le retrouver. Là, on passe sur la deuxième journée qui était très intéressante aussi. On va passer là vite. Deuxième journée de la CitizenCon. On a Con. eu Je vais aujourd'hui, regarder l'autre côté en ce même temps. 20 octobre, une CitizenCon quand même assez exceptionnelle, avec énormément d'infos. Je vais essayer d'un petit peu vous débriefer ça, surtout si vous n'avez pas pu suivre, du coup, le show en direct. Et on commence évidemment avec le premier panel qui était sur toute la partie au niveau du crafting et du base building. Donc, du coup, ils nous ont expliqué, ils ont un petit peu résumé comment on pouvait crafter des objets. Alors, ils ont réexpliqué à nouveau que vous avez la possibilité de récolter en fait des ressources sur le terrain en minant. Vous pouvez par exemple faire du minage à pied ou en véhicule ou du coup directement en vaisseau. Et évidemment que toutes ces ressources que vous récoltez vont ensuite être raffinées pour ensuite faire des profits, du coup directement les revendre. Un petit peu la nouveauté avec les nouvelles opportunités qui vous offrent en fait sur ce nouveau type de gameplay, c'est justement en fait vous allez récupérer vos ressources, vous allez les raffiner, mais vous allez aussi pouvoir les crafter et ensuite directement faire du base building, c'est-à-dire pouvoir les utiliser en fait dans votre base ou pour construire directement votre base. Et surtout, vous allez pouvoir également, aussi à partir de ces ressources que vous avez raffinées, vous pouvez aussi les vendre effectivement sur des marchés avec des NPC, donc des PNJ, ou éventuellement faire carrément de l'économie de la vente entre joueurs. Alors ce qui a évidemment été introduit en fait dans le jeu, enfin ce qui va bientôt être introduit dans le jeu, parce que tout ce que je vous dis devrait en théorie à peu près arriver dans les 12 Blue mois, screen. c'est un peu la grosse Ok, annonce d'ailleurs par Rio, rapport à bonne ça, journée à toi. c'est qu'ils Point vont mettre en place ce d'exclamation, qu'ils joins dans appellent le les chat. blueprints. C'est tout simplement des plans en fait que vous allez pouvoir utiliser
pour pouvoir en fait simplement concevoir à la fois des éléments de base, également des machines, Pour mais aussi des objets. construire des Donc, évidemment, pistolets forcément, la améliorés. qualité des objets que vous allez récupérer, ça a influé effectivement sur la qualité du craft. On a eu quelques présentations justement au niveau des interfaces qui se trouvent quand même relativement stylées. Vous voyez par exemple là Merci pour pour le pouvoir soutien de la concevoir chaîne un avec vos pistolet de type follow, Volk, vous avez tous les Chier, matériaux qui sont sur la gauche Chier. et vous J'avais avez déjà un posé petit cette peu en bas à question droite sur un autre les film, j'ai différents, failli comment dire, être la possibilité de faire les J'ai pas fait crafting du gaffe coup qu'il a, il sur a la posé comme borne. Et vous voyez question. également en haut, vous avez un autre onglet qui vous permet de choisir un petit peu les blueprints. Alors, ils nous ont expliqué aussi qu'au niveau du système de crafting, il y allait avoir différents types de tiers. En gros, c'est un peu des espèces de level de statistiques. Plus vous allez monter en tiers, alors vous avez du tiers 1 jusqu'au tiers 5, plus vous allez avoir, vous voyez, par exemple, vous allez augmenter l'intégrité, vous allez augmenter la résistance, par exemple, ici, la capacité d'arme à tirer un peu plus haut. Donc ça me fait penser d'ailleurs un petit peu à ce que vous avez dans un Starfield, Toujours pas où de forcément, prévision de quand vous sortie, craftez non. des matériaux plus rares, Ah, ça ça vous permet derrière va. d'obtenir des armes de meilleure qualité. Et évidemment, l'annonce qui a fait vraiment beaucoup de bruit, d'ailleurs, du coup, pendant ce panel, c'est que vous allez pouvoir crafter des Crafter des véhicules vaisseaux. et des vaisseaux. Oui, tout à fait, vous l'avez bien Non, entendu. les seules Dans choses qu'ils ont Starfield, vous dit, allez c'est pouvoir concevoir 2026 votre Squadron. propre vaisseau. Là, il vous montre un petit peu les différences, en fait, si vous voulez, Tout ce entre qu'il y du a tier 1 et du aussi tier entre 3, suivant comment ou si vous 18 craftez des balles. Forcément, plus et avant de 12 et tiers 18 importants, mois, plus vous voyez, par il n'y a exemple, là, pas les eu impacts vont beaucoup être trop précis. de dates. Par exemple, là, si vous Moi, avez j'en ai crafté, par loupé, exemple, hein, un mais moteur de voilà. saut, vous allez voir que sur le tier 1, il met un petit peu de temps à spool, alors que sur le tier 3, ça a été beaucoup plus vite. Donc, vous allez vraiment pouvoir, en fait, upgrade vos vaisseaux. Alors, au niveau des blueprints, comment vous allez pouvoir Alors, exactement les t'achètes acquérir? un Parce que vaisseau, forcément, il va mais falloir les trouver, ces plans. Soit vous allez pouvoir les il est nul en acheter, fin de compte. soit vous allez C'est ça? pouvoir, en fait, les récupérer auprès d'autres joueurs. Donc, il va sûrement y avoir un espèce de marché au niveau des blueprints. Soit vous allez pouvoir également aussi les trouver sur des missions. Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous avez la possibilité aussi de crafter vos propres machines. Et vous avez différentes Pardon. machines, en fait, qui Parce vous que permettent, en fait, j'espace. d'obtenir différents composants. Et suivant les machines que vous avez, vous n'allez pas obtenir exactement le même type d'éléments. C'est Donc, vous beaucoup voyez plus ici, cher vous avez des quand machines. Alors, ça va vraiment, en fait, vous voyez, vous avez une machine qui est plutôt dédiée à la crafter, en fait, celle de droite, sur la partie au niveau, tout ce qui est éléments, bouffe, tout ça. Ici, c'est tout ce qui est chimique. Et là, c'est plutôt des Après items de avoir ce que c'est, hein, fabrication. le Et ils nous ont crafting, hein, précisé parce que, qu'il y aurait bon. limite, en fait, à peu près 1000 blueprints à collectionner. Alors, il faut savoir que tous ces blueprints, vous ne pourrez pas les avoir directement en étant tout seul. Non. Vous allez être obligé de collaborer un petit peu avec d'autres joueurs pour les obtenir. Et évidemment, ce qu'ils veulent faire, c'est que le futur, un petit peu du craft, comme vous l'explique ici, c'est vraiment d'avoir une espèce d'économie entre joueurs, qui est vraiment en fait les joueurs qui puissent échanger des blueprints et tout comme je vous l'ai dit, et qui a un peu une espèce de progression sur le long terme. Alors maintenant on a eu une vidéo de présentation vraiment de la partie au niveau du base building, sur comment ça va se comporter effectivement in-game. Quand vous le voyez ici, c'est vraiment relativement bien avancé, hein, comme je vous l'expliquais, ils ont prévu de nous mettre ça du coup dans les 12 mois, et là vous voyez en fait que le joueur soit un espèce de... Alors, je sais plus comment ça s'appelle, dites-moi le nom dans les commentaires, parce que j'ai complètement oublié. C'est tout Alors ça, simplement, c'est la cet petite machine appareil-là va pour... vous permettre de claim la zone. Ouais. Donc, vous allez pouvoir, en fait, vous y rendre dessus. Donc là, vous voyez, le joueur, il va se rendre directement là-dessus. Et il va pouvoir, en fait, tout simplement décider, hop, il va ouvrir un peu l'espèce de Ça me fait terminal. penser à nos Il va mascailles. appuyer sur le truc, et en appuyant, vous voyez, sur F, directement Use. Vous voyez, vous avez carrément, ça dézoome, en fait, au niveau de l'interface. Et là, vous avez un peu la zone que vous pouvez claim. Vous savez, en plus, d'ailleurs, c'est en Mais temps ouais, réel, parce que vous c'est voyez ça. un autre joueur qui arrive directement et qui se promène. Là, vous pouvez choisir un peu les structures. Alors, le menu que vous voyez ici, c'est un peu un menu provisoire. C'est un peu un menu, je pense, qu'ils ont mis directement pour pouvoir vous montrer un truc plus facile à CitizenCon. Mais ce ne sera pas nécessairement cette interface-là que vous aurez à la fin. Mais par contre, ce sera ce type d'interaction que vous allez avoir, où vraiment, ça sera en temps réel. Vous allez pouvoir placer les bâtiments et tout. Alors, ils nous l'ont précisé ici, mais c'était juste pour les besoins, en fait, de la démonstration. Il faut Le bâtiment, électricité, lui, là, genre vous à voyez, il s'est l'eau. construit quasiment instant. Ce ne sera pas le cas, en fait, quand vous serez in-game. Les bâtiments vont mettre plus ou moins de temps à se construire. Il y a des drones et tout qui vont arriver. Il y a des appareils qui vont les construire. Donc, ça, ils ne nous ont pas trop montré, malheureusement, la partie au niveau des drones. Mais là, vous voyez, par exemple, l'élément est construit. Là, vous avez un joueur qui est avec vous. Et du coup, vous avez votre espèce de base sur laquelle vous allez pouvoir vous installer et vous pouvoir faire Attends, le pour le crafting dont temps je de vous le parlais faire à tout à part l'heure. sa Donc, retraite, ouais. forcément, qui dit base, dit forcément obligatoirement tout Les ce qui est gestion de ressources, l'énergie et tout. Donc là, l'énergie, par bah exemple, ouais. on le voit qu'il va essayer d'installer, en fait, tout simplement, un espèce de générateur d'énergie. Donc là, vous voyez, vous avez plus de différents outils pour pouvoir le placer correctement et tout. Et une fois, du coup, qu'il est in-game, il va pouvoir se rendre sur ce générateur d'énergie et, du coup, le recharger. Alors, je ne sais pas, je ne me souviens pas s'ils ont expliqué ou pas, du coup, quel type d'énergie c'est à l'intérieur. Est-ce que c'est une énergie vraiment comme type quantum fuel ou autre? Donc ça, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas me le redire, Du du coup, en RP, tu commentaire. seras C'était obligé, de quand toute même façon, assez ils dense, l'ont ces dit, hein, de panels. toute Il y a quand façon, même si pas tu veux mal tous les d'infos recettes qui étaient pour super faire des intéressantes. fabrications Mais et ce tout qu'il ça, faut tu seras comprendre, en fait, obligé c'est que ce moteur-là, d'avoir forcément, il va une falloir interaction avec l'entretenir. les autres Il va joueurs. falloir revenir dessus, il va falloir faire un petit peu de maintenance et il pourra du coup tomber en panne. Donc, sachez que les bases seront un petit peu comme vos vaisseaux, elles vont avoir une vie et il faudra dans tous les cas s'en occuper. Hein. Vous ne pourrez pas juste poser la base et walou, je m'en vais et je fais rien de plus à ce niveau-là, quoi.
Donc là, vous voyez, par exemple, là, il va avoir du coup un Alors, écran. base attaquable hein, Et aussi, là, sur cet attention, hein. écran-là, il a pu montrer directement, allumer en fait l'espèce de générateur et pouvoir alimenter directement l'ensemble de la base. Et là, on le voit ici, vous avez un de ses collègues du coup, qui a commencé un petit peu à décorer la base, enfin décorer entre guillemets, parce que c'est un sacré foutoir, il y a des cartons partout. Mais vous voyez, il a rajouté des fenêtres, etc. Et il a commencé aussi à rajouter un peu les appareils qui, eux, vont vous servir au crafting, ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc là, du coup, bah, vous avez un début de base, débauche de base qui commence à être intéressant. Tout ça, ce sont des images in-game. Vous voyez, c'est marqué dire encore Work in Progress en grey box. Donc ça veut dire que ça a quand même relativement bien avancé. Alors tout n'est pas finalisé parce que vous avez vu, il y a des écrans et tout qui ne fonctionnent pas encore. Mais au moins, vous voyez, en partie, on peut circuler à l'intérieur et tout. Il y a quand même, ça, c'est quand même vraiment bien avancé. Donc c'est très probable en fait qu'il y ait la possibilité d'avoir la sortie de ce genre de choses du coup dans les 12 mois. Alors au niveau du claim de zone, comme je 12 vous à expliquais, 18, c'est ils avec ont dit, l'espèce de hein. petit appareil que vous voyez tout à Alors, attendez un l'heure, peu. ça vous emmène l'interface. Et là vous voyez, il vous montre un petit peu l'endroit où se trouve potentiellement la base. Et vous voyez par exemple la zone bleue ici, vous avez en fait un minerai avec une certaine qualité. Vous voyez l'endroit Ah oui. vert en bas qui se trouve juste là, en fait, il vous montre que là c'est constructible. Et il y a des endroits en fait où c'est grisé, où ce n'est pas constructible. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir construire partout. Je suppose qu'ils vont évidemment mettre des zones d'exclusion par rapport à ça. Donc par contre, du coup, là, on voit un peu mieux en fait l'interface finale qu'il devrait y avoir au niveau du système de la création de base. Évidemment, là-dessus, par contre, quid un peu de toute la partie au niveau du serveur meshing. Il va vraiment falloir en fait Des qu'il y ait un extracteurs serveur de unique. liquide, de Parce que si gaz deux et personnes des posent un ressources claim au solides qu'on même pourra endroit, avoir. il ne faudra pas que du coup il y ait des problèmes de conflit de claim de zone, de réclamation de zone, et qu'il y ait deux bases qui se retrouvent à peu près au même endroit parce qu'elles sont sur deux shards 18 ans, ouais. différents, et que tout ça est pas regroupé dans un seul shard en fait un petit peu unique. Et vous voyez ici, il y aura tout Oui, simplement le shit, il système a de ressources management, d'ailleurs qui est le même que celui que vous avez sur les 999 000 vaisseaux, de qui ressources. permettra de relier les modules entre eux. Alors il faut savoir que les modules, vous en Shit, avez de monsieur. différentes tailles. Vous avez les modules qui sont en small, medium et large. Là, vous avez trois tailles différentes. Et là, vous voyez en plus que vous pouvez upgrade les structures. C'est évidemment, vous avez les ressources pour pouvoir le faire. Alors là, on a une présentation d'un autre type de base avec différents types de structures. D'ailleurs, c'est vraiment magnifique. Les images sont vraiment superbes. Avec des éléments de structure supplémentaires qui seront intégrés en fait au fur et à mesure du temps dans le jeu. Donc, par exemple, ici, là, vous avez des espèces d'extracteurs de minerais qui vont vous permettre vraiment en fait un petit peu d'aller taper la roche et de rechercher les minerais qui vous intéressent. On le voit un petit peu du dessus. C'est quand même assez ouf. Franchement, les images sont vraiment sublimes. Là, vous voyez, c'est également aussi en greybox, Alors c'est-à-dire que ça, ça les a trucs remplis relativement comme bien ça, on les a déjà avancé. vus, hein. Du coup, par rapport à Les petits ça, donc avant-postes. vraiment, honnêtement, je pense qu'il y avait une grosse probabilité qu'on puisse avoir ça, Alors, pas enfin, c'est peut-être les pas mêmes assez couleurs, rapidement, mais mais je un pense truc que d'ici la similaire à prochaine ça. CitizenCon, on aura peut-être commencé à pouvoir mettre un peu les pieds en fait sur ce type de système de base building et vraiment arriver à s'éclater à faire sa propre base et activer ses minerais. D'ailleurs, n'hésitez pas à Dans me les dire en S4, commentaire ils hein, peuvent, si choses comme vous ça, êtes là. partant pour faire des bases, tout ça, etc. Si vraiment ça vous botte, Ah. où est-ce que vous voyez peut-être vous installer entre Nyx, Stanton et Pyro dans ce qui vous sera proposé, enfin surtout Stanton et Pyro d'ici à la fin de l'année avec Pyro qui va arriver. Et puis surtout, évidemment, je ne peux que vous inviter à vous abonner et à suivre la chaîne si vous êtes passionné par les jeux de science-fiction, parce qu'ici on traite de l'actualité de l'ensemble des jeux SF. Et du coup, je continuerai à vous faire des news sur Star Citizen, mais pas que, aussi également sur d'autres jeux. Et là, on voit un petit peu les machines en fait qui sont en train de s'allumer et qui sont en train de se lancer, là, qui vont faire un petit peu l'extraction de minerais. Et puis, comme Ça c'est d'habitude, hein, bien les foutu ça, ouais. franchement, les animations, tout ça, etc., ils sont quand même L'animation, ouais. assez ouf de ce côté-là, du côté de CIG. Évidemment, C'est bien. l'objectif, c'est d'avoir des bases qui sont vraiment vivantes. Vous avez différents joueurs et tout qui peuvent éventuellement vous aider et un peu monter des bases en corpo organisation. Là, on voit un petit peu l'intérieur des bases. Par contre, quid de la partie un petit peu au niveau des PNJ, ça, ils nous ont pas du tout expliqué là-dessus. Vous savez, les PNJ qui pourraient éventuellement vous aider. On n'a eu aucune démonstration, d'ailleurs, aucune news par rapport à ça dans la totalité de la CitizenCon. Je pense qu'il faut attendre un petit peu que le meshing soit un peu plus mature par rapport à ça pour qu'il puisse intégrer vraiment, en fait, toute la notion, en gros, si vous voulez, de PNJIA qui pourrait vous aider. Et évidemment, comme vous venez de le voir, vous aurez la possibilité aussi de crafter des zones de hangar pour pouvoir faire atterrir du coup des vaisseaux. Donc là, vous voyez qu'ils rentrent du coup directement dans les Crafting. zones de hangar. Avec d'ailleurs, franchement, les lumières sont assez dingos. Et là, vous allez avoir du coup la porte qui va s'ouvrir du hangar. Et vous avez que vous avez un espèce de hangar souterrain à l'intérieur où là, vous avez un vaisseau et vous allez pouvoir, bah, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, crafter vos propres vaisseaux et pouvoir construire votre propre base avec un système de Crafter et revente de améliorer les chips. vaisseaux, Et en c'est là ce fait, qui hein. nous explique un petit peu au niveau de l'impact, au niveau du trading, etc. entre joueurs, c'est que vous allez pouvoir vraiment créer vos magasins et tout. Ça, c'est pas mal, Vous allez ça. pouvoir présenter les armures, même présenter carrément les vaisseaux. Moi, ça me fait penser un peu à ce que vous avez dans un Dual Universe.
l'inverse. Vous avez carrément des showrooms complets. Vous pouvez aller visiter et tout, des tonnes de vaisseaux. Donc là, il y aura des joueurs qui vont vous autoriser, en fait, sur leur base, à y accéder pour pouvoir faire du trading et tout. Peut-être vous dire, bah tiens, moi, j'ai farmé une armure spéciale en tier 5, avec tel truc et tout à droite à gauche. Moi, j'ai vraiment la meilleure armure, je te la propose et tout à très prix. Et évidemment, par la suite, il y aura d'autres modules qui vont arriver. Comme là, vous voyez, vous avez des modules de... pour de la ferme et tout, mettre en place carrément limite un immense ranch en fait de culture agricole. Évidemment, pour les joueurs qui veulent faire du PVP, vous aurez aussi toute une partie de défense dans structure et tout, avec la possibilité de déclencher des raids du coup pour pouvoir attaquer une base, pour pouvoir récupérer des ressources et tout intéressant. Donc là, forcément, ça va vraiment passionner plutôt les corporations qui vont pouvoir, en fait, si vous voulez, construire un peu des villes assez immenses. Vous voyez, vous aurez la possibilité également de relier les bases entre elles. Vous pourrez très bien avoir une base, par exemple, qui va faire du farming, par exemple. Là, vous voyez, en haut à gauche, c'est plutôt la partie orange qu'on montrait tout à l'heure. Là, hein, là, vous avez en bas une base de structure. Et à droite, carrément, vous avez presque même une ville. Du coup, là, vous le voyez un petit peu plus dans le détail. Il vous montre un peu comment c'est, hein, avec des petites bases et tout, fait par des joueurs, jusqu'à des bases beaucoup plus importantes. Là, on a carrément limite, on pourrait presque avoir un espèce de... Je vais dire pas un port de pêche, mais presque ça. Là, vous avez des caterpillars et tout. Donc, franchement, honnêtement, ces images, je vous les montre parce qu'elles sont quand même assez sublimes. Ouais, ça vous montre toutes les possibilités qu'il y a à faire au niveau du base building. Donc, si vous êtes vraiment, vraiment fan de cette partie-là, je pense qu'à mon avis, Star Citizen va vraiment être peut-être le must-have en termes de jeu sur de la construction de base, vu le nombre d'assets, vu la possibilité que vous aurez. Forcément, il va falloir les défendre là-dessus parce que bah, vous pourrez évidemment vous faire attaquer, mais là, vous avez des tourelles de défense et tout ça. Mais il faudra quand même se méfier par rapport à ça parce que forcément, différentes zones de protection, grande base, aussi, grande structure. Vous voyez, là, c'est carrément, en fait, vous pouvez construire une base pour aller en fait salvage un javelin qui s'est craché à côté. Et en fait, toute la ville s'est créée autour de ce javelin. Donc, ça fait un petit peu comme IRL quand vous avez, par exemple, des mines qui sont créés et qu'autour vous avez toute une structure et toute une vie avec des joueurs et tout, etc., qui se posent. Bah là, ça sera un petit peu le même genre. Et en plus, là, vous voyez que toutes ces images là sont faites directement avec le moteur du jeu, donc ça montre que c'est capable un petit peu de tourner et qu'il y a quand même quelque chose de vraiment abouti dans ce qu'il nous propose à ce niveau. Alors maintenant, on a eu un autre panel qui était sur la partie plutôt au niveau des véhicules. Comme là, il vous explique, c'est un peu les véhicules qui permettent de construire un peu vos habitations dans le verre. D'ailleurs, vous avez le Pioneer qui est juste en face. Ils sont revenus, voilà, c'est le Graph Cart, sur l'espèce de Graph Cart qui lui va permettre en fait tout simplement de construire, de pouvoir claim votre zone. Alors je sais pas, j'ai pas fait gaffe du coup s'il était disponible ou pas sur le pledge. Non, pas le dire du coup sur en commentaire. Je pense plutôt, à mon avis, que celui-ci vous allez pouvoir le créer et le récupérer en utilisant un blueprint dédié directement. Alors maintenant, on a eu la présentation du premier véhicule, donc ce que j'appelle un peu la boîte de l'espace ou la petite camionnette. C'est le Argo CSV qui contiendra, je crois, à peu près 4 ou 6 SCU, je ne sais plus exactement. Donc c'est un peu votre compagnon de chez Argo qui va vous accompagner en fait pour stocker un peu des ressources et vous aider dans toute la partie au niveau du base building. Je crois qu'il est disponible d'ailleurs sur le pledge pour à peu près 35 ou 45 dollars, je ne sais plus exactement. Il n'est pas très très cher. Bon, après, vraiment, ce qu'il y en a une utilité, moi, d'avoir un véhicule aussi petit que ça, je pense que ça sent plus le token ECTI que vraiment quelque chose qui va vous servir et qui va être indispensable pour faire du base building. Alors, après, on a eu la présentation, en fait, d'un nouveau vaisseau de chez Misk. Ça s'appelle le Star Lancer Family. Vous en avez deux modèles. Je crois que ça, vous avez le Star Lancer Max et vous avez le Star Lancer TAC. L'objectif, un petit peu, de ces vaisseaux, c'est de pouvoir vous donner un peu un coup de main sur la partie au niveau du... base building, parce qu'ils seront composés en fait tout simplement de différents drones à l'intérieur qui vont vous permettre tout simplement en fait de les déployer et de pouvoir construire votre base. Donc c'est vraiment un vaisseau qui est dédié un petit peu au base building. Alors je crois que, si je dis pas de bêtises, il est à peu près entre les 120 et 150 euros, je crois, sur le pledge, hein, si vous voulez évidemment financer le projet, hein, sinon il faudra le faire gaming game qui sera disponible. Très cher, c'est-à-dire que c'est un petit peu un espèce de petit cousin, si vous voulez, du Pioneer, qui permet également de faire de la construction de base. Par contre, évidemment, on n'a pas vu spécialement les drones en action là-dessus, sur cette partie-là, ils nous ont quand même précisé que ce vaisseau serait disponible du coup pour l'IAE. Donc ça veut dire que vous allez avoir le Star Lancer qui sera flyable du coup à l'IAE. Donc ça veut dire qu'ils l'ont déjà relativement bien avancé. Moi, je le trouve plutôt stylé, plutôt cool. D'ailleurs, on voit les petites images de l'esquive qu'on a eu l'occasion de voir hier. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le pledge si vous voulez voir un peu plus, d'avoir un peu plus d'informations techniques sur toutes les capacités en fait de ce nouveau vaisseau de chez Misk. Et évidemment, qui dit vaisseau de crafting dédié au base building, il ne pouvait pas passer à côté du Pioneer, qui est un petit peu l'emblème d'ailleurs de chez Consolidated Outland, pour pouvoir vous permettre de construire une base. Il faut savoir qu'il a été complètement rework, ce vaisseau, parce que comme c'est le Pioneer
est quand même un concept qui est assez ancien, qui date de avant toute la partie au niveau du buzz building, crafting, et qu'ils n'avaient pas vraiment bien avancé par rapport à ça. Maintenant qu'ils ont un petit peu posé les bases, et ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la partie buzz building, là maintenant ils ont vraiment complètement rework en fait le Pioneer. Donc du coup, ils nous expliquent qu'à l'intérieur, vous allez avoir des modules qui vont vous permettre en fait tout simplement de créer et de concevoir des bases terrestres, mais vous allez aussi également avoir un module qui va vous permettre aussi de crafter et de créer votre propre vaisseau. C'est-à-dire que vous pourrez créer des petits chips, par exemple comme la taille d'un nomade, comme la taille d'un Avenger Titan, vous pourrez les concevoir directement en fait dans le Pioneer. Pour l'instant, évidemment, comme vous le voyez ici, il est encore en phase de... Alors, je ne sais même pas si on peut dire de la Greybox ou de la Whitebox, hein, parce que là, vous voyez, c'est vraiment que de la modélisation 3D. Pour l'instant, il n'est pas prêt de sortir à ce niveau-là. Ah, et bah évidemment, non, la star pas, hein. de... qui sera d'ailleurs la star de la prochaine IE, merci, vous avez le petit logo complètement sur la droite, il s'agit du Polaris. Alors, il était présent d'ailleurs l'année dernière sur l'IAE, sauf qu'on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur. C'est chose faite, maintenant, il est complètement finalisé, le Polaris, il sera flyable en fait pour l'IAE. Vous pourrez y jouer, vous pourrez l'utiliser. Alors, pour rappel, hein, c'est une espèce de grosse corvette. Je crois qu'il y a à peu près 6 ou 8 membres d'équipage là-dessus. Donc, c'est quand même assez conséquent, en fait, au niveau de ce vaisseau. Mais du coup, enfin, le Polaris va arriver in-game, du coup, sur l'IAE. Et vous pourrez, en plus, le visiter. Après, vous pourrez peut-être même, d'ailleurs, l'essayer. Je crois que vous pourrez le louer gratuitement à l'IAE si vous essayez de vous faire un peu votre avis sur ce propre vaisseau. Est-ce qu'il pourrait être intéressant ou pas à jouer entre potes ? Parce que je rappelle, évidemment, c'est un vaisseau multi-équipage. Donc, ne cherchez pas à avoir ce vaisseau-là si vous voulez jouer tout seul. Surtout qu'en ce moment, en plus, comme il n'y a pas d'infos sur les PNJ qui pourraient vous accompagner, ce serait un peu limite, un peu suicidaire d'arriver à lancer un vaisseau comme ça tout seul, une fois que le jeu va avancer au fur et à mesure du temps, surtout avec le gameplay ingénieur en plus. Alors là, nous avons un petit peu résumé en fait tous les vaisseaux qui sont sortis les 12 derniers mois. Vous avez le Anvil, Hornet MK2, vous avez le Cutter, vous avez l'Argo ATLS, tout ça, etc. Mais surtout, ils ont voulu un petit peu nous teaser ce qui va arriver dans les 12 prochains mois. Donc là, au niveau des vaisseaux, il y a un petit peu... Alors, vous pourrez y aller en spéculation et tout directement dans les commentaires. Moi, je ne suis pas spécialement amusé à essayer de deviner tout ce qu'il y a. Vous voyez, il y a un peu des trucs sur la plateforme Atlas. J'avais trouvé un leak. On a eu... voilà, il y a peut-être une nouvelle variante d'un Hornet qui va du coup arriver. On a eu aussi un vaisseau. D'ailleurs, on a eu un peu l'espèce de pseudo-mirail, vous savez, un peu énorme. Qui est censé, je crois que celui-là, ça va être le légionnaire d'ailleurs, qui est censé d'ailleurs arriver d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est l'espèce de suicide. Ouais. On suppose que c'est un Mirai parce qu'il ressemble beaucoup d'ailleurs au Fury, qui serait un peu un espèce de mastodonte. On le regardera après. Alors, je sais pas trop pourquoi, là, ils ont remis peut-être une variante d'un Prospector, peut-être qu'ils vont rework le Prospector. Dans tous les cas, vous allez avoir des nouveaux vaisseaux qui vont arriver en fait tout simplement dans les 12 mois et qui vous seront proposés. Donc là, ils ont quand même teasé pas mal de ships sans avoir vraiment à donner de nom précis. Et là maintenant, on va s'attaquer un petit peu au cœur en fait de la vidéo, ce que évidemment vous attendez tous, hein, ce que je vous ai marqué du coup dans la miniature. Je l'ai fait un petit peu dans l'ordre. Il s'agit tout simplement de l'annonce autour de la 1.0. Alors là, je tiens à mettre un disclaimer tout de suite. On n'a absolument pas eu de date par rapport à ça. Ils ont juste essayé de présenter un peu des features pour voir ce qu'il faut qu'il y ait obligatoirement dans le jeu pour qu'il soit commercialement viable et qu'il puisse le sortir et qu'il soit considéré comme une 1.0. Mais comme nous l'a expliqué Chris Roberts, ça ne veut pas dire que c'est la fin du développement du jeu. Une fois qu'il est sorti en 1.0, il continue à être itéré, il continue à avoir des mises à jour et tout par la suite, et il y aura beaucoup de choses du coup à faire. Mais qu'est-ce qu'on va avoir en fait dans cette fameuse 1.0 ? Eh bien, ils ont prévu tout simplement en fait de partir sur une espèce d'histoire, une main story, une histoire principale qui va être un petit peu votre fil conducteur quand vous allez commencer à jouer à Star Citizen. Parce que leur objectif, c'est de faire en sorte que les joueurs puissent vraiment découvrir un petit peu tout ce qu'il y a à faire du coup dans le jeu. Donc on va dire franchement, honnêtement, c'est une histoire principale qui va vraiment servir de tuto. Et là, vous voyez, ça va vous apprendre en fait à faire de la réparation, à faire du minage, etc., et du bounty. Et du coup, vous allez devoir en fait naviguer dans différentes guildes, comme par exemple là, vous avez la unité de ressources Warcher qui va vous apprendre à faire de la réparation, du raffinage, du salvage, du minage, du crafting, etc., et ainsi de suite. Alors, est-ce que vous allez pouvoir faire ça de manière indépendante et tout ? Est-ce que ça va être linéaire ? Ça, par contre, ils n'ont pas spécialement précisé. Mais dans tous les cas, c'est vraiment d'avoir un espèce de fil conducteur qui vous apprenne en fait tout ce qu'il y a à savoir dans le jeu pour pouvoir vraiment être autonome en fait directement dans Star Citizen et pouvoir en profiter avec les autres joueurs. Vous voyez, comme il vous l'explique ici, vous allez pouvoir en fait récolter et récupérer du coup directement de l'expérience par rapport à cette quête narrative. Vous allez pouvoir rencontrer différents NPC qui vont un petit peu vous introduire. Et en plus, cette partie-là, ça va vous permettre d'être citoyen et non pas simplement joueur, puisque la citoyenneté, vous ne l'avez pas directement quand vous achetez le jeu. Vous êtes simplement un joueur et ensuite vous serez citoyen de l'UE quand vous aurez fait cette story normalement, ce qu'on a pu comprendre. Je sais pas s'il va l'expliquer après, mais en tout cas, c'est ça.
Comme il explique ici, at your pace, c'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir faire ça à votre rythme, donc il n'y aura pas spécialement un truc imposé Non, pour tu pouvoir pourras faire faire un toutes peu ces tout. parties-là. Alors maintenant, ils sont revenus sur quelque chose de très intéressant, c'est pour la release, combien on va avoir Civil au exactement de début, ouais. systèmes. Donc là, ils Ça. sont revenus un petit peu sur les systèmes qu'on connaît, évidemment comme celui de Stanton. Vous avez également le système Système Pyro, d'ailleurs, qui est Pyro, donc prévu il d'arriver sera pour les méchants, incessamment hein, sous peu. d'ailleurs, hein. Vous allez avoir le système Nyx qui va être implémenté. Nyx. Alors pour l'instant, évidemment, on n'a pas de date de sortie, mais dans tous les cas, il sera du coup à la release à la 1.0. Vous avez le nouveau système qu'on vous a un petit peu teasé hier, enfin qu'ils Castra qui ont est à teasé un côté petit peu des hier, qui est le Vandoul. système Castra. Donc celui-ci viendra dans tous les cas après Nyx. Mais forcément, vous dites, il y a 5 systèmes. Donc quel est le cinquième? Eh bien, ce sera le système Terra. Terra, comme vous le voyez ici. Ce Ça va être sera le beau, dernier Terra. système qui sera du coup implémenté. Ce Moi, sera je l'ensemble veux des la 5 gêne. systèmes. Alors, faut savoir que le système Terra, qui est un petit peu l'espèce Terre 2 et tout, pour ceux qui connaissent un peu le lore, en fait, au niveau Star Citizen, ça reste quand même, en fait, un système qui, à mon avis, va pas être si simple que ça à implémenter, parce qu'il y a quand même pas mal de biomes, des trucs super intéressants et tout. Ça va être extrêmement joli, mais je pense qu'ils le mettent un petit peu à la fin, parce que c'est quand même assez technique par rapport aux différents environnements qu'il faudra faire. Alors, dans les différentes guildes que vous allez pouvoir être amené à rencontrer, vous avez, par exemple, ici, la guilde de type transport qui vous ramènera à différents types de missions. Donc ça, c'est ce que vous allez faire, que vous allez découvrir au fur et à mesure que vous allez vous C'est balader ce dans les qu'on fait différents actuellement un systèmes. peu, on a Vous la vous faire vraiment progression et balader, en des fait, dans les trucs, hein, différents mais systèmes. bon, ça sera un Vous peu plus avez... Alors, celle-ci amélioré. est assez marrante. Une guilde, tout simplement, de la partie sport. Alors, je pense que ça, Sport. c'est pour essayer de vous muscler un petit peu. Parce que vous avez expliqué l'année dernière, comment dire, Chris Roberts, que du coup, vous allez avoir un Racing, peu... Alors, pas Racing vraiment des points de Guide. compétence, mais plus vous allez porter de charges lourdes, plus vous allez devenir un petit peu athlétique. Donc, je pense qu'à mon avis, là-dessus, c'est peut-être ça que va servir cette guilde Impérial Sport. Et aussi une espèce d'académie des sciences qui, elle, va vous permettre, vous voyez, de faire un petit peu capture d'animaux, chasse, etc. Tout ça. Ça, il Donc, n'y a pas voilà un petit encore, peu le hein, la panel science, complet de hein. tout ce que vous pourrez faire, du coup, à la version 1.0 et tout ce qui va être intégré comme contenu. Donc, vous voyez qu'il y a quand même énormément de choses à faire. Franchement, honnêtement, il y a encore peut-être aussi beaucoup de travail pour pouvoir arriver jusqu'à ce niveau-là. Donc, à mon avis, je pense que la route va être longue sur la 1.0. Alors, ils ont très très peu parlé de la mort du Spaceman là-dessus, mais par contre, ils ont Tandis parlé de la que... mort du Spaceship, qui est un peu Ouais. l'équivalent de la mort du Spaceman. Et comme vous explique ici, vous allez avoir en fait des assurances avec des assurances de niveau 1, 2 et Et 3. Alors, 3. chose qu'ils nous ont expliqué assez intéressante, c'est que là, si par exemple, vous allez pouvoir, en fait, vous allez vouloir récupérer un petit peu votre vaisseau, ils vont plutôt vous inciter à prendre des espèces de navettes qu'ils vont mettre à disposition, qui vont vous permettre en fait tout simplement de revenir sur le Gratuite. lieu où votre vaisseau a été peut-être perdu, volé, etc. et pour pouvoir un petit peu le récupérer plutôt que de le claim systématiquement. Ce qu'ils ont expliqué aussi, c'est que vous allez pouvoir aussi un petit peu désactiver votre vaisseau à distance s'il a été volé. Vous pourrez en fait enclencher une espèce de soft lock où au bout d'un moment le vaisseau va arrêter de fonctionner par rapport à ça et comme ça, si éventuellement il y a un pirate qui l'a piqué, il ne pourra plus l'utiliser. Mais Mais pour le évidemment, un salvage. joueur, s'il le souhaite, pourra carrément en fait avoir un système qui pourra contrer en gros cette espèce de soft lock et pouvoir s'approprier le vaisseau et ensuite le revendre, voire éventuellement et tout le désosser. Donc après nous avoir montré un petit peu tout ça au niveau des gameplays, vous voyez, il nous manque tout ce qui est faisable en fait au niveau en termes de type de vaisseau qui serait disponible du coup à la release. Donc il y en a quand même un sacré paquet. Alors là ils sont revenus un petit peu sur toute la boucle de gameplay qu'il faudra. Si par exemple vous partez de Stanton, vous allez vouloir essayer de récupérer la réputation de ça, etc. Vous allez pouvoir en fait récupérer des ressources et tout pour pouvoir vous farmer tout le C'est tout vaisseau. pour Alors dire. maintenant, ils sont vraiment rentrés un peu plus dans le Bon, ça endgame c'est sur la le game, partie, ça en c'est fait, vraiment la on va fin dire plutôt et dédié je à pense moi, que en là gros, c'est pour moi, vraiment c'est plus dédié les en fait grosses aux corpos qui corporations, pourront le faire. plutôt que du coup aux Là, joueurs solo, les composants, la il va en possibilité de avoir. créer tout simplement votre station spatiale. Donc si vous êtes vraiment une corpo plutôt organisée, vous allez pouvoir vous amuser à crafter Oh bah, complètement votre station là, il va spatiale et faire pouvoir des des années déploiements à faire assez ça, hein, je dingos. pense. Car en fait, dans cette Il station fera plus de spatiale, vous 100 en pourrez un carrément en mois, fait hein. construire votre propre bungalow. Oui, vous l'avez bien entendu, c'est-à-dire que les joueurs qui sont très organisés avec des grosses corpos, machin, etc., vont pouvoir s'amuser à construire l'un des plus gros vaisseaux d'ailleurs qui est jouable du coup dans le jeu. Parce qu'après, le rétribution, il n'est pas jouable du coup directement par les joueurs. Mais là, vous pourrez carrément vous amuser à construire votre bungalow. Forcément, du coup, défendre votre station spatiale en fait des attaques ennemies. Parce qu'évidemment, forcément, je vous Ça va expliquais des raids de tirer, base ouais, de oui, c'est joueurs en ça. fait tout simplement sur le terrain. Mais aussi, vos stations spatiales vont évidemment pouvoir se faire attaquer par d'autres joueurs pour essayer de récupérer un petit peu vos bulletins et votre loot. Alors, il faut savoir que la station spatiale, elle va pouvoir se défendre. Il va y avoir un petit peu des défenses anti-aériennes. Vous allez pouvoir également aussi mettre des défenses à l'intérieur de votre station spatiale. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez avoir en fait des raids en FPS. Donc, carrément, les joueurs vont pouvoir descendre et tout, attaquer. Et tout ça pour évidemment, forcément, aller récupérer le loot qui les intéresse et vraiment devenir un petit peu les rois du monde. Forcément, derrière, vous avez tout prévu parce que votre base, c'est à la fois se défendre de l'extérieur, Mais mais aussi de aussi également l'intérieur.
de l'intérieur. Et là, du coup, vous pouvez sortir la petite tourelle. Et puis, bah, les ennemis qui pensaient avoir gagné se font savater le fion pour protéger votre picot d'or. Et comme vous le voyez ici, votre station spatiale va pouvoir faire un petit peu des petits. Parce que si vous regardez un petit peu au niveau du Bengale juste derrière, vous voyez que vous avez d'autres embranchements avec d'autres bases en fait qui sont collées les unes aux autres. Donc vous allez pouvoir en fait tout simplement Bon, c'est pas demain qu'on vous verra ça, hein, amuser je vous à le dis, hein. construire vraiment une espèce de cité Quand tentaculaire même. dans l'espace avec plusieurs bases reliées et avoir un truc complètement fou. Alors je sais pas combien de jours il va falloir pour administrer ça, à mon avis, ça va être un sacré foutoir. Mais en tout cas, cette image est quand même assez insane. On voit tout ce qui nous donne la possibilité de le faire. Et comme vous voyez ici, c'est des En tout works cas, une in pièce progress maîtresse qu'il en faudra grey que box. pourra que C'est quand même un construire petit sur le peu avancé, ça ne veut pionnier. pas dire que ça sera dans les 12 mois du coup directement in-game, hein, faut pas déconner. Mais en tout cas, franchement, cette image-là a quand même été assez marquante pour la fin de cette CitizenCon. Maintenant, si je dois vous donner un peu plus En mon avis en fait, du coup, 2046, sur le concret, ouais. honnêtement, franchement, j'étais plutôt bluffé du coup par cette CitizenCon. Par contre, ce qui m'a un tout petit peu embêté, ça on en avait discuté du coup directement en live, c'est sur la partie en fait au niveau du endgame. J'ai l'impression en fait que la toute dernière partie, vous savez, où ils mettent un peu en avant les stations spatiales et tout, et la partie vraiment de construire une énorme station spatiale, ça s'adressait vraiment exclusivement en fait plutôt aux joueurs dédiés en corporation et pas vraiment aux joueurs solo Bah, qui c'est ça. malheureusement, quoi qu'on le veuille, C'est... sont un peu le mass market en fait tout simplement Je sur un pense qu'il y a MMO. beaucoup Vous plus avez de beaucoup de trucs que joueurs, à peu solo près que de 70% des machin, ouais, joueurs, effectivement. qui sur Bah, des MMO jouent ou tout seul autant, ou mais... éventuellement jouent occasionnellement et tout avec des potes. Ouais. Donc je vous avoue, ces gens qui jouent du coup avec des potes directement, je les vois mal se prendre la tête à arriver à essayer de faire en fait Bah, c'est, je crois que c'est ça une qui se base commande spatiale comme ça aussi automatiquement sur grande. Et un... surtout, en plus, l'autre Pas chose finir. qui est intéressante un petit peu à remettre en valeur, c'est que là-dessus, on n'a pas eu de présentation et d'indication en fait sur les PNJ de type IA, on ne sait pas exactement quand ça va arriver. Je ne l'ai pas vu apparaître en fait tout simplement dans les briques sur la partie. Alors peut-être dites-moi, hein, je suis peut-être trompé, j'ai peut-être mal vu hein, sur la partie en fait tout simplement au niveau des briques de la 1.0, mais je ne l'ai pas vu en fait comme feature essentielle au niveau des briques de la 1.0. Ça, ce serait un petit peu embêtant que ça n'apparaisse pas en fait du coup Ouais. avant la release de SC. Mais Donc je là, il y a pas pense mal aussi de que jouets. De derrière, toute comme il façon, faut il est qu'il y ait fini une là. machine dynamique qui soit vraiment bien blindée et tout, il faudra ça Je pensais obligatoirement. qu'il Pour allait te qu'on donner les puisse dates avoir là. l'intégration des PNJIA, je pense qu'il y aura l'occasion d'avoir d'autres CitizenCon pour y voir un petit peu plus clair par rapport à ça. Donc voilà ce qu'on On dit pouvait ça dire du l'année coup pour la prochaine, on verra, résumée de hein, il y la aura quoi de seconde quoi. journée. Franchement, honnêtement, pour Et puis les l'ensemble de hangars cette et tout. CitizenCon, les news étaient quand même assez dingos, même si parfois c'était un peu en demi-teinte avec ce que je vous expliquais sur la vidéo précédente d'hier sur Squadron 42, où je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il y ait un retard aussi conséquent avec 2026. Mais bon, wait and see, de toute façon, on peut pas y faire grand-chose, on peut On que attendre. verra. Et Bon, honnêtement, c'est pas allez. spécialement le jeu. On va arrêter là parce que là, c'est déjà pas mal. Je vais vous redonner le lien du. J'ai fait un petit truc. Hop, un petit truc. Tac, que je l'avais pas fait tout à l'heure. Hop. 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 On va faire ça. Je vous remets le lien. Alors. Tac. Tac. Contrôle C. Contrôle V. Voilà. Après, il y en aura d'autres qui vont faire des. Vous inquiétez pas, il y a plein de monde qui vont faire des résumés et tout. Vous avez trop bon la totalité à regarder sur directement. Pourquoi il veut pas, moi? Tac. Alors attends. Hop. Entrée. Voilà. Voilà. La musique elle est bonne. Pour les assurances, ouais, il y a un tableau. Enfin bon, on verra pour. De toute façon, on n'y est pas encore pour les assurances et tout. C'est vrai qu'il y a le tiers 3, tiers 2, tiers 1. Ça, on n'y est pas encore. Il y a encore pas mal de choses à voir. Franchement. Qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre? Donc c'est bon. Donc il y a la nouvelle page Squadron 42. Donc la vidéo, ben voilà, hein, vous cliquez dessus, vous aurez la vidéo. Complète de Squadron d'une seule traite de 1h16 minutes, puisque malheureusement, pendant qu'ils ont essayé ça, qu'ils ont essayé ça, il y a eu deux crashs où ils sont revenus dessus, mais voilà. Là, vous avez d'une seule traite vraiment le Squadron. Voilà, le début avec les options, tout ça, on voit bien une nouvelle gamme, changement de caractère, loading, continuer, Galette Media et tout. Voilà. Donc ça, c'est les premières choses. Donc vous êtes un simple troufion et vous allez monter de grade pour aller jusqu'à piloter des vaisseaux par la suite et tout ça. Donc pour une petite partie d'1h16, hein, quand même, c'est quand même pas mal.
avec les batailles et tout ça, moi j'ai franchement, ouais, je dis pas non. Bah voilà ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qu'on peut encore faire, c'est tout. Ça c'est bon, ça c'est bon. Après, si pour ceux qui veulent, ils peuvent aller sur le Discord. Vous pouvez aller Point sur le d'exclamation Discord, joint vous dans le avez chat pour aussi gagner dans 100 les points. leaks. Bah justement dans les leaks, vous avez pas mal de petites vidéos aussi qu'on voit. Bon, il y en a qu'on a déjà vu et tout ça, mais il y a pas mal de petites bon, les petits vaisseaux qu'on voit, hein, donc les Largo, le Grey Cat Cave, l'Humvil Atlas, peut-être bien le Hornet, le Point Terrapin d'exclamation Medivac, joint dans le chat. le Miri Guardian, voilà, le Misk Fortune. Le Crusader Intrépide, le RSI Apollo, enfin qui va sortir, le Misk, voilà. Donc ça, on les avait vus dans les petits. Ah, elle est où cette photo? Voilà, bah, c'est ce qu'ils avaient vu. Hein. Donc le Merci pour Pionnier, le le soutien de la chaîne Conclave, avec vos l'Apollo follow, qui est Prem, là, Sub, Chip, elles savent Tipeee. pas, le Persus, le BLD, donc ça sera vraiment celui qui sera est vraiment celui-là qui va être pour la construction. Voilà, le Drake à la Cutter Concept, ouais, je sais pas, Mix Fortune, donc ça c'est le minage, ok, ça le Miri Guardian, le Terrapin Medivac, ça c'est ça sera très bien. Ouais, je pense que je le prendrai sûrement. L'Humvil F7, l'Humvil Atlas, l'Humvil M7, le Grey Cat Cave, le machin. Voilà. Bon, ouais, ça vous donne un truc. Après, il y a plein de petites vidéos. Hein, ceux qui veulent revoir des petites vidéos et tout ça. En tout cas, il y a pas mal de choses hein, qu'on voit. Voilà. Bon, après, hein, après, vous n'êtes pas obligé. Hein, vous regardez, vous n'avez pas besoin. Hop. Alors, on va essayer de partir dans le jeu. Il y a eu des. Franchement, ce matin. J'ai eu réussi à aller vite fait. On va regarder si dégradation, voilà, performance dégradée. Donc on va essayer. Je suis pas sûr. On va regarder pour avoir le petit véhicule. Mais je suis pas sûr que je vais l'avoir. J'espère. Parce que ce matin je me suis connecté et après il y avait Seb et tout ça qui arrivait pas à se connecter. Je me dis c'est pas grave. Moi je me suis connecté. Je vais me reconnecter. Et j'ai impossible de reconnecter. Donc bon. Ouais, non, mais il y a des problèmes. Bon, j'espère que ça va être résolu cette aujourd'hui. Il y a des gens qui jouent, il y a des gens qui jouent pas. Malheureusement, c'est comme ça. Et des fois, je peux pas rejoindre les amis, tu vois, rejoindre la disponible. Je suis bloqué dans le truc. On dirait que je suis bloqué encore un coup, comme la fois dernière. Je suis bloqué et voilà. Je suis bloqué dans le serveur Europe et impossible. Et pourtant là, ça fait plus d'un quart d'heure, donc on peut pas dire que je suis plus d'un quart d'heure que je suis bloqué. Alors attends, on va regarder commandeur ça. On va regarder si je peux. Vol libre. Vol libre. Alors, est-ce que je peux changer US? Aegis Avenger Striker. Bah, vas-y. Bah, je m'en s'en fous, c'est juste pour voir. Bon, ça va mieux, mais je crois malade. Hein. Intact. Ok, déployé. Ok, d'accord. Ok. Ok. Donc là c'est bon. Ah oui, il y en a qui tire dessus. Bon, on s'en fout d'une façon ou d'une autre. Ah oui, lui il tire sur les épaves. Ouais, il tire les épaves. Il peut gagner, il tire sur les épaves. Là, ça pue du cul Ah, ça pue violent. du cul, ouais. Ah oui, ouais, c'est. Ah oui, c'est un F8. Ah oui, d'accord, j'ai aucune chance là. Retourne vers le menu. Allez vers le menu. Mais J'espère que je vais c'est de la pouvoir décoller. merde! Mouleux, bonjour à toi. Alors. Ouais, mais je peux pas rejoindre. Indisponible, je veux bien, mais je peux pas rejoindre. À moins, gare, je peux pas rejoindre le leader. Ça veut pas.
Ah, ça veut pas. Merci à toi, mais non, regarde, tu vois, ça veut pas. C'est ça le problème, c'est que tu peux m'inviter, c'est pas pour ça que je vais rejoindre. Ah non, mais y a un gros problème, hein. Entrée d'un seul, vous savez vous comme ouais, confirmé. Je vais essayer de rentrer tout seul pour voir s'il charge. Ah, c'est vraiment terrible. Ah, je comprends pas parce que la première fois je me suis connecté tout de suite. Ça a duré 10 secondes. Et deuxième fois, bah impossible. Ça m'a craché même le truc. Je suis revenu de l'entrée. Vous habituez au bug, ouais. Donc 4.0, ils l'ont dit, hein, pour fin de l'année. Hein. Fin de l'année 4.0. Alors j'espère. Alors, est-ce que dans quel état? On ne sait pas. Hein. Ils ont dit 4.0. Mais est-ce que ça sera 4.0 live? 4.0 PTU? Toujours pas de nouvelles. Mais bon. C'est ça à savoir. 4.0, ouais. Et voilà. Est-ce que ça sera live? Est-ce que ça sera PTU? Est-ce que ça sera. Voilà, ça on sait pas. Donc le housing, ben voilà. Entre 12 et 18 mois. Et puis le 1.0, on sait pas parce que tellement qu'il y a tellement de choses à faire dans le truc là. Mais dis donc. Oui, bon, on verra bien, hein, franchement. Fin d'année, mais quelle année? Ah ouais. Non, ils ont dit fin d'année là, normalement. Mais après, il faut savoir dans comment ça va sortir. Tout ça, c'est la semaine prochaine. Ouais, non, les orgas et tout ça, je pense pas. Non, il y a encore du boulot là. Après, il y aura quand même une zone plus PVP, une zone plus PVE. Ah, voilà. Ok. Il a crash. Merci. Fermé. Bon, je pense que. Je sais pas. Je suis pas sûr qu'on va jouer. On est reparti. Il a dit oui là? Oh non, il a pas dit oui. Là 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 là. Congé, ouais. Après, mois prochain, c'est l'IAE, hein. L'IAE, le mois prochain aussi. Alors, est-ce que je peux rejoindre le leader? Non, je peux toujours pas rejoindre le leader, c'est pas grave. J'ai quitté l'équipe. Alors, rejoindre Béliavor. Ah, je peux rejoindre Béliavor. Ah, je peux rejoindre Béliavor. Ah, je peux rejoindre Béliavor. Alors, attends. Est-ce que je peux rejoindre Béliavor? Béliavor! Bouge pas! Les prix des vêtements sont abusés. Non, non, je pense pas qu'ils vont faire une. Bon, quoique. Ils nous ont lâché déjà une fois un bide juste pendant les vacances et c'était injouable. Hein, pendant les Noël. Entre Noël et Nouvel An, c'était injouable. Hein. Bon, allez, vas-y. Je peux sauter sur notre ami.
Belliabor. Après, si vraiment vous avez du temps, n'hésitez pas à regarder les 9h et les je sais plus combien d'heures, les 5h aussi suivants. Hein. Première journée, deuxième journée. Il y a des trucs très intéressants quand même. C'est fou ça qu'ils n'ont pas encore. Hein. Ah 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 ah, je l'ai vu là. Je l'ai vu qu'il a... Non? Bah non. Ah ouais, il a un problème depuis dimanche matin ou je sais pas quand. Il est dégradé depuis le temps là. Ça fait... Non, toujours pas. Ouais. Samedi matin, ouais. Moi j'ai diabloté hein, donc. Il veut ou il veut pas? Ah ben crash. Ah ok, superbe. Sans sel. Ok, d'accord. Bon, on va essayer une troisième fois hein, si ça marche pas. Et on regardera sur la PTU. Mais la PTU, je vais pas l'avoir. Je vais pas l'avoir le petit véhicule. Je vais pas l'avoir. Hein. Ah non, je vais pas avoir le véhicule sur la PTU. Il a fallu que je copie mon compte à l'arrière. Au pire, bon, bah allez, au revoir demain. Ouais, t'as raison. Après, on peut regarder les petites vidéos, hein. Si ça va pas. Lance un arena et puis et après relance. Ouais, mais c'est ce que j'ai fait tout à l'heure déjà. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Alors, arena. Vas-y. Hop, hop. Polybre, arena, machin, easy stacker, jouer. Voilà. Et je quitte le jeu et quitte complètement et je rejoue. Allez, c'est parti. Bon, y a beaucoup de monde sur Arena. Wow, c'est quoi cette station? Ah ouais, c'est Carrera. Ah ouais, d'accord. Oh, bah, il se pose. Ah non, on peut pas se poser. Wow. Ok. Tu peux tester, j'ai déjà tout fait moi. Ok. Le nouveau MISC est dans mon gars. Alors le nouveau MISC, il est pas, il sera à l'IAE là. C'est le masque, le Max. Il sera lié à eux. Dans un menu. Enfin, je quitte le jeu, comme ça au moins. Voilà. On va même tout quitter. Voilà. Bon, il est plus dedans, hein. Il reste ici. Ah si, il est là. Comment ça se fait que. Normalement, théoriquement, il devrait pas être là le. Le launcher, il devrait quitter normalement automatiquement. Tiens, comment ça se fait qu'il quitte pas automatiquement Normalement, il doit quitter automatiquement. Game setting. Normalement, il quitte automatiquement accessibilité. Ok, d'accord. C'est quoi ça Pourquoi il veut. C'est nouveau ça?
Voilà, enable, voilà, enable, voilà. Donc là, il quitte automatiquement, là. C'est bizarre qu'il a fait... Ok, on peut clear le launcher cache, on peut... Ok, d'accord, ok. C'est bizarre qu'il me le faisait pas. Alors, est-ce que c'est une petite erreur? Sled, salut à toi. Tout ça, recommandeur. Ah bah, il y a peut-être des choses à faire, recommandeur. Point d'exclamation joint dans le chat pour gagner 100 points. Normalement, quand il y aura l'IAE, il faut que je le fasse avec les copains pour faire le la pirate Swarm. Point d'exclamation joint dans le chat. Bon. Alors, Monsieur Bourrin est dans le PU. Non, Monsieur Bourrin est dans le PU. Indisponible. C'est bizarre, il y a des gens qu'on peut qui sont indisponibles, il y en a qui sont bons. Merci pour le soutien de la chaîne avec vos followers, Prime, Sub, Cheer, Tipeee. J'ai l'impression qu'il m'a laissé tout regard. Je suis toujours coincé en Europe, là, et à mon avis, il y a quelque chose. Bon, on va essayer, hein, mais si ça veut pas. Ça veut pas, hein. Et je pense pas que PTU. Ouais, moi j'arrive à sortir la PTU d'abord. Ah, peut-être que c'est la PTU. Après la live. Ouais. Sinon, caractère reset. Ouais, mais bon. Salut Vincent, coucou à toi. Negafix qui joue tac tac, qui c'est qui a gagné? Non, qui joue mais qui joue trop tard. Mince. Et cette fois qu'il gagne. Et non mais franchement, ce matin, comment ça se fait que j'aurais dû. Ah ben non, je peux pas. Je me serais fait éjecter quand même hein, ce matin. Caractériser, non. Oh, mais là, c'est chez eux, hein. Il y a un problème chez eux, c'est avec les serveurs ou je sais pas quoi, ils ont un problème chez eux. Donc, on va attendre qu'ils remettent ça à jour. J'espère qu'ils vont pas mettre trop de temps non plus. Allez, le jeu. On est parti. On va aller voir le véhicule. On va aller voir le petit argot. Et je vois le petit argot. J'ai même pas encore vu en plus. J'ai même pas encore sorti. Toujours pas le Galaxy, ouais, j'avoue. Après, ça peut être des surprises entre deux, hein. Faut... Et non, ben crash. Sans sel, ni poivre d'ailleurs, même. Hein. On a la PTU. Pourtant, c'est bizarre parce que la live et la PTU, c'est le même numéro. Hein. Mais si j'arrive à me lancer sur la PTU. Comment pas. Hein. Je prends mon cache à 8 heures. Alors. Ah bah 19 000. Bah ça c'est bon. Il me dit que j'ai une connexion de machin. Bon bah apparemment on peut pas jouer les jeunes. Les jeunes et les moins jeunes. Dégradés. Bah oui mais bon, dégradés.
J'avais sauté sur quelqu'un là, non? Voilà, il n'y a rien qui me fonctionne. Moi, ça fonctionne pas. Hein. Bon, je sais pas combien de gens que ça marche chez nous là. C'est quand même bizarre, hein, quand même. On peut, bah ça on peut pas, bah ça dépend. Ouais, non mais il y a des gens qui vont se connecter, il y a des gens qui vont pas se connecter. Moi ce matin, je me suis connecté hein, ce matin, mais du coup j'ai dû arrêter. Et voilà. Et le problème c'est que invité dans l'équipe et dans le menu. Là tu vois je peux pas les, je peux joindre personne. On dirait qu'on est coincé dans un dans une voilà, je suis coincé dans l'Europe et je peux pas faire autre chose. Et c'est bizarre que tout à l'heure, j'ai réussi à changer de serveur. Là, je peux jouer mais il me dit pas dans quel serveur je suis là. Ah si, Europe. Je viens de le voir. Mets-toi en Australie pour voir. Australien, est-ce que je peux jouer en Australie? Est-ce que je suis joue en Australie là? Ça me saoule, caractère hyper pour réparer sinon. Ok, d'accord. Ok, ah merde, c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais parce qu'il vend qu'un joueur. Merde, c'est pas ce que je voulais. Exit au menu. Ouais, bah je vais faire un répar-répar. Ouais, mais je pense que ça vient de chez eux, hein. C'est pas le caractère répare, il va peut-être réparer pour une journée et puis demain ça ne marchera pas. Hein. Je pense que ça a fonctionné comme ça, mais je pense que voilà. Hein. Alors là, je suis en Australie normalement. Tu crois que je suis en Australie là? Moi, c'est le serveur. Moi, je pense que c'est le serveur, moi. Après, je suis sûr et certain, je vais faire un caractère reset. Oui, tu vas pouvoir jouer. Et puis demain, bah, ça va me faire la même chose, hein, je pense. Je pense que ça va me faire la même chose. Hein. Un peu dommage. Hein. Allez, le jeu, dis-moi que tu veux. Dis-moi que c'est bon. Au kangourou de l'espace, il y a des kangourous là-bas? En Australie, ah bah oui. Je crois que c'est doit être le pays le plus dangereux du monde, l'Australie. Parce que c'est la première fois que je lance le jeu de ma vie et ça ne fonctionne pas chez toi. Ouais, bah là t'es arrivé, c'est un mauvais moment. Dur dur de SCO ce matin. Ouais, bah non, je pense. Mais il y en a qui arrivent à SCO et le problème c'est ça. Tout à l'heure. Les dièses avaient écho et ça avait fonctionné. Bah pour ceux qui ont acheté le jeu puis qu'ils voient que ça marche pas, ouais, effectivement. T'arrives pas toi? Ouais, donc. J'aimerais bien savoir comment ils ont fait aujourd'hui, hier, en sous par rapport au vaisseau qu'ils ont. Les concepts là. Pour voir que combien de gens qu'ils ont acheté les concepts là. Toujours dégradé, oui sur Launcher c'est toujours marqué dégradé, oui. Il n'y a pas eu de mise à jour, j'ai regardé ce matin et il n'y avait pas dans. Toujours pas. Ah, je pense que ça va pas l'air, ça va pas le faire. Hein. Je pense que ça va pas le faire là. Regarder, tu vas me dire, hein, je pourrais mettre. Mais je pense que ça va pas le faire. Déjà, quand je vois marquer ça là, busy busy là, ça veut dire qu'il cherche. Donc, c'est même pas la peine. Homme Sati, salut à toi.
Donc, l'IAE, apparemment, quand c'était marqué IAE, et c'était marqué 3.24.3. On aura peut-être un machin. Bon, ben, tant pis. Hein. Exit application. Voilà. Bon, pour regarder une petite vidéo, on va pour regarder une petite vidéo à la rigueur. On va regarder si on peut voir les petites vidéos. Regardez ça. Attends, j'ai coupé la musique. Hein. Oui, j'ai vu ça pour charger les vols dans les stations et tout ça. Ça, c'est pas mal. En tout cas, c'est bien. C'est bien foutu. Je sais pas si on va le voir là-dessus. Ça, c'est les drones pour construire les bases au fur et à mesure. On va peut-être le voir le vol là derrière, là, non? Ouais, on va le voir, je crois, le qui apporte la marchandise sur le côté. Ah, c'est bien foutu en tout cas. Et ça va être le même principe sur les stations, sur le côté là. Ah bah là on le voit. Là. Ah, ça c'est pas mal ça. Ça va arriver. Ça je trouve que c'est pas mal. Mais le temps que tu vas mettre à défaire tous les paquets là, 144 caisses à télécharger comme ça. J'avoue que ça va être fou. Donc normalement, ce système-là qu'on voit, il sera que fabricable sur un Pioneer apparemment, ce que j'ai pu comprendre. Et ça te permettra, c'est de faire ta base complètement avec, pouvoir créer ta base. Alors ça sera vraiment pour les corpos. Hein. Ça sera vraiment pour les corpos, hein, je vous le dis. Hein. Pas pour tout de suite, hein, c'est vraiment le endgame machin. Hein. Il va en falloir des ressources. Hein. Ça, c'est beau aussi. Hein, ça. De pouvoir scanner la planète pour voir les denrées qu'il y a à l'intérieur, enfin les ressources, et pouvoir après les récupérer. Tu pourras pas le faire en solo, il doit te falloir je sais pas combien millions de matériaux et tout ça pour construire des bases comme ça. Je pense pas que solo tu arriveras, hein. À moins que tu peux toujours essayer, hein, mais je pense pas que c'est faisable. Hein. Parce que déjà, le temps qu'elle arrive comme ça, déjà, il va falloir des matières. Hein. Des bonus pour les corporations, c'est limite un ou deux. Les corpos, ouais, je sais pas. Bon, après, on y a pas encore les corpos, mais si tu vas avoir des bonus, ouais, tu seras obligé d'incorporer une grosse corpo pour être sûr d'avoir des bonus et tout ça. Travailler pour eux en plus, non, c'est moins réjouissant. Ça peut se faire quoi attaquer en plus ça hein. Tu peux te faire attaquer, le perdre et tout. Et les docking, on va pouvoir ramener d'autres vaisseaux dessus et tout. Ouais, ça fait ça, voilà. Hein. On n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore les... Musique.
2 millions? Ouais. Et garde intérieur, armée et tout. Bon, pas d'armure, mais on les fusille. Point d'exclamation joint dans le chat pour gagner 100 points. C'est vrai que les PNJ, on n'a pas trop parlé hein, des PNJ, savoir si on pourra en avoir et tout. Est-ce qu'ils viendront parce que le machin est ouvert et ils vont venir travailler là ou pas. Point d'exclamation joint dans le chat. Transit. C'est beau quand même, franchement. Franchement, c'est très très beau. Hein. Voilà, il parle en anglais, merci grand-père. Merci pour le soutien de la chaîne avec vos follow. Je sais pas ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? Oh, mais j'aurais pas la traduction, donc comme moi qui parle pas anglais, ça sert à rien. Allez, viens, je vais mourir bientôt. Voilà, donc là c'est la construction en bleu là, c'est ce qui va bientôt se construire. Est-ce qu'on va voir qu'il va construire là? Ah, à mon avis ça va pas être comme ça, hein. On va mettre du temps à se construire. Hein. Donc là, hop, pour un nouveau cargo. C'est France Travail maintenant, ouais c'est ça, c'est France Travail. Ils l'ont dit, hein, ça sera pas aussi vite que ça. Hein. Construction, ça sera très très long. Hein, de toute façon. Je sais pas comment tu pourras vraiment, si tu pourras construire ça tout seul, je pense que ce sera infaisable, hein, c'est pas possible. Tu vois pas le nombre de matériaux et tout ça que tu seras obligé d'amener et tout. Déjà, il te fera la base principale déjà, le petit socle déjà au départ là. Rien que le socle au départ, il faudra le faire crafter par un pionnier déjà. Ça c'est le max, hein, c'est ça, ouais. On voit l'intérieur déjà. Ça fait rêver quand même. Ah moi le petit max. Ah tu l'as pris déjà aussi ça dit. Ah le chargement sur les côtés et tout ça, c'est pas mal moi je trouve du vaisseau là. Franchement chargement sur les côtés comme ça là. Franchement, c'est très très bien. Hein. Bon, ça sera le Graal, je pense. Ça c'est plutôt le Graal, hein, je pense. Pour arriver déjà à construire un truc comme ça et tout, là. Oh, bah ça. Oh mon dieu. Ouais.
ils ont pas peur, hein. Les vaisseaux comme ça. Ouais, c'est beau, hein. Ça fait rêver quand même, hein. C'est fait pour, comme dirait l'autre. C'était quoi? C'était l'élévateur pour aller dans l'autre partie au-dessus, en dessous, je crois. Hein. Station Homs. Station. Ah oui, qu'on pourra peindre et tout ça, voir les trucs de corpo sur dessus. C'est vrai qu'il y avait Corsa, quoi, et on n'a pas parlé aussi. Hein. Il y a tellement de choses qui a été dit. Salut Max, bonjour à toi. Comme dirait l'autre, ça. Tu fais gonfler mon zizi là. Ouais. Ça, c'est quand il se fait attaquer ou pas? Non, c'est après. Ouais, ça, il va se faire attaquer là. Donc, il y a une base attaquable, attention. Hein. C'est pas parce que voilà, hein, vous avez créé ça que vous avez intérêt à avoir les protections adéquates. Hein. Et forcément du personnel qui soit en plein temps pour justement, voilà, contre le carré et tout. Protection extérieure. Ah bon, on l'avait vu tout à l'heure, ça, je crois qu'on l'avait vu celui-là. Protection aussi intérieure. Alors, les tourelles aussi de défense. Je pense que les trucs de défense, on les mettra déjà largement avant. Hein. On les mettra pas que dans cette pièce là. Hein. Je pense que on pourra les mettre beaucoup plus avant. On peut tout pourra se rejoindre les uns et les autres. On va pouvoir. Waouh! Ça, c'est beau. Hein. C'est Max, ça. Hein. Le Star Lancer. Star Lancer. Ah, ben c'est là où on voit la construction, puisqu'il pourra construire le Bengale. Ouais, c'est ça. La construction du Bengale. Il n'y a que là qu'on pourra le faire. Bon les matinaux, je veux un bagal, donc débrouillez-vous comme vous voulez. Oui chef, on dit. Enfin, on aura une petite... on verra déjà combien que ça coûte déjà pour fabriquer une base au sol et tout. Tu vas voir le nombre de composants que tu auras besoin, nombre de SCU et tout. Alors, je t'imagine pour une base comme ça. Et tout ça sera relié ensemble, tu pourras faire voilà, de docking et tout. Oh là là. C'est fou ça. Genesis à météo, ouais, c'était vraiment super avec les orages et tout ça. Il y aura des endroits où il y a des planètes, tu pourras même pas te poser tellement qu'il y aura d'orages. Des risques et périls.
Après, la science, ils n'en ont pas trop parlé hein, quand même, mais bon, c'est vrai qu'on aura beaucoup de trucs de scientifiques aussi, hein, puisqu'on va pouvoir voir les zones où on pourra crafter, enfin, récupérer les ressources, soit liquide, gazeuse et je sais plus comment. Et dur. Ouais, et dur. Solide. Ça serait très, très très bien. Oh la vache, l'ascenseur là, rien que de voir ce truc là, tu te mets là, waouh. Voilà, il y a une zone un peu. On va voir ça, le 600. Bon, après, il y a quand même pas mal hein, des taxes à payer et tout ça hein, aussi. Hein, on aura pas mal de choses aussi hein, entre deux. Malheureusement, on aura des frais. Ouais. Ah, bah, il est peut-être content, monsieur. Hein. Quand tu vois la vision que t'as là. Oh la vache. Regarde-moi ça. Ouais, ça fait rêver, comme dirait l'autre. Hein. Là, franchement, ça fait rêver. Donc ça, c'était les musiques. Ça, c'était les photos qu'on a vues. Voilà, des différents... Ah, t'imagines pour fabriquer déjà une, le temps que tu vas fabriquer une. Oh là là, là... Ouais, ça c'est ça vraiment pour les corpos, hein, franchement, bon, le petit Bengal, hein, bien sûr. Il n'y a que là que tu pourras le fabriquer, hein, d'ailleurs, hein, donc faut pas chercher. Ça c'est quoi? C'est les vaisseaux... Ah oui, c'est les vaisseaux, ça. Médical. Ça c'est tourné sur le truc de l'IAE, hein, 2954. Hein. Donc c'est le terrapin IAE, terrapin médical. Enfin, ah, je l'avais dit, hein, il serait beau celui-là. Je crois que je me ferai ça, je l'achèterai hein, celui-là. En buyback, hein, bien sûr. Hein. Ah, là, il va me faire... ah ouais. Franchement. Vivement l'IAE! J'espère que dans la, chez nous, il y en a quelqu'un qui a le pionnier, parce que... Ça sera déjà une bonne base, le pionnier, pour pouvoir construire pas mal de choses avec. Même s'il n'est pas pour là tout de suite. C'est lequel celui-là? Ah, on voit bien, il y a eu de 1954, hein, donc c'est déjà préparé, hein, déjà. Hein. C'est bien préparé. J'ai voulu Fabi. J'ai pas mal raté les trucs de la journée de dimanche. Ouais, mais tu peux le revoir, hein, le truc. Tu peux les revoir, hein, les vidéos. Le temps que ça fasse, là, je vais te les remettre. Discord. Alors. Alors, copier le lien. Ctrl V. Il y a déjà celle-là de vidéo à regarder. Et dimanche. Et bien. Voilà. Tac. Voilà.
Ça, c'est du dimanche, et le deuxième et le premier. T'as loupé. En plus, c'est du 4K, donc... On le verra pas sur l'IAE, ça doit se poser un véhicule posé là-dedans, là. Point d'exclamation joint dans le chat pour gagner 100 points. Ah, mais il va être l'heure! Non! Là-dessus les gens. Point d'exclamation joint dans le chat. Merci pour le soutien de la chaîne avec vos follow, Prem, Sub, Cheer, Tipeee. Alors, Modifi Fabi qui a gagné, allez, on va faire... Hop, le temps de regarder les belles images en même temps. Allez, point d'exclamation joint pour les subs de la chaîne. Vivement l'IAE, hein. Mois prochain, l'IAE. Bah, jour bah 21, 22, je crois, hein, je crois, ouais. Ah, c'est beau, ça. Et ben voilà, on est arrivé à la fin. Donc ça, c'est tous les vaisseaux, normalement, qu'on a vus. Je crois qu'il y en avait un qui l'avait dit ce que c'était, celui-là. Je me rappelle plus ce que c'était. Oui, mais pas un point d'agression, mais je crois qu'il y en a un qui l'avait dit ce que c'était. Je me rappelle plus, loin. Alors, 22 secondes, Tobola, Major, Béliavor, qu'ils ont gagné 400 points avec Monsieur Avatar. Ben, GG à vous. Hop, on va retirer ça. Maintenant, on va mettre pour tout le monde, point d'exclamation joint, pour tout le monde. Alors, là, par contre, je ne sais pas sur qui je vais vous mettre. On va regarder s'il y en a un qui a lancé le jeu, parce que je vais vous envoyer chez lui, mais... il n'a pas l'air de pouvoir lancer le jeu. Je vais regarder si lui il a lancé le jeu, il est déjà dans le jeu ou pas. Ah, il est dans le jeu. Eh ben, on va vous envoyer chez quelqu'un. Il est déjà dans le jeu. Allez, hop. Hop, hop, hop. Contrôle C. Voilà. Tac. Contrôle C. Ça sera bien, on verra bien. Au moins il est dans le jeu, je sais pas, il est sur la live ou la PU, la live apparemment, il est sur la live. Alors en seconde, bah non, ça y est, c'est fini. Mef, Horus, Boop, Steel Phantom, qu'ils ont gagné 300 points chacun. Ben GG à vous. Honteux ces streamers. Je vais envoyer sur quelqu'un d'autre, mais il arrive pas à lancer. Je vais regarder quand même, mais j'aurais préféré. Ah, si, il a lancé, c'est bon. Ok, c'est parti. Ah, ben il a lancé. Ben, je préfère lui. Ah, ben, c'est pas que je préfère lui, hein, parce que il a moins de. Il vient de commencer. L'autre, il a déjà commencé depuis 2 heures. Donc, contrôle C. Voilà, c'est parti. On vous envoie ça. Lancez un raid. Hop, 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 hop. Tac. Il me suit, il n'y a pas de problème. Il est gentil, il est beau. Il sent le sable chaud. Ah non, c'est pas un légionnaire. Bon, c'est parti à mon avis. Hop.
Merci à tous infiniment pour votre présence. Un grand merci aux viewers de Londres. Merci pour les follow. Merci pour les Prime, les Sub, les Share, les Tipeee. Je vous souhaite une bonne et agréable journée. Malgré qu'on va être sous la flotte toute la journée, nous. Rendez-vous demain matin. 6h, 8h. Je vous fais de gros bisous. Et je vous envoie à notre ami Star-Lord. N'oubliez pas, à partir de 10h midi, vous aurez l'équipe de l'UE avec Monsieur L66, Titoï, des copains, copines de l'UE. Hein. N'hésitez pas à aller voir. Je vous souhaite une bonne journée et à demain matin. Je vous fais de gros bisous. Tchou tchou. Lancez Red.